7 knots. Level between 350 degrees and 0 degrees. Visibility 10 km. Temperature 2-1. Bon, ça c'est juste le temps de... Le sol, bonjour. Bravo pour ta équipe. Toxico Victor, au parking Aeroflight, deux personnes bon, alors là, celle-là, je ne règle pas mieux que ça, elle sert rigoureusement à rien. Toxico Victor, on roule et quitte au pompe. On roule et on quitte au pompe, Toxico Victor. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Et l'autre. On la met quelque part ici. Voilà. On verrouille le merdier. Correctement. Voilà. Toi, on fait ça. Et elle est là. Ah, il n'y a plus qu'à tourner, ça marche. Donc là, je ne veux pas se louper parce que j'ai pas le visuel. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on refera une synchro finale. 35, 0 degrees and 08, 0 degrees. Visibility 10 km. Temperature 2-1. QNH 1022. Sunset 1904 UTC. Informe on initial contact that you have received information, Charlie. Bonjour à tous, ici une information Charlie, enregistrée à 8h30 UTC. Question salée 08. Attention, risque aviaire. Vent 0,10 degrés, 7 nœuds. Variable du 350 degrés au 0,80 degrés. Visibilité 10 km. Température 2 unités. QNH, unité 0,22. Coucher du soleil, 19h04 UTC. Informez l'ONU au premier contact que vous avez reçu l'information Charlie. Good morning, this is an information Charlie, recorded at 0830 UTC. Calling you. Le sol du Fox Novembre Lima à l'avitaillement avec l'information Charlie, rebonjour. Novembre Lima, rebonjour. Donc le Novembre Lima, je confirme, il y a un problème sur la pompe numéro 3, l'enrouleur, enfin le système électrique d'enroulement ne fonctionne plus du tout. Hein. Donc c'est pour ça que la pompe elle est comme ça. C'est copié, on mettra en prochaine assise, je vous écoute pour les intentions. Donc, Fox Novembre Lima pour un vol d'environ 2 heures, destination Blois, retour Logne sans toucher à Blois, sans poser à Blois, donc environ 2 heures, 2 heures et demie. 4 personnes à bord, 3 personnes à bord, donc l'information Charlie, je l'ai dit, demande roulage pour, donc pour ce vol. Novembre Lima, transpondant 37-22, roulez pour l'attente 08 du rappel près. 37-22 affiché au transpondeur, je roule le 08 dur, je rappelle, il faut que ça va rouler. Le sol, Fox Lima Romeo, bonjour. Lima Romeo, bonjour. Papa Bravo Lima Romeo, service 7, deux personnes à bord, parc numéro Club Air France, information Charlie, roulage pour le destination le Touquet. Bon alors attends, là il y a un truc qui va pas. Il y aura un retour aujourd'hui Lima Romeo? Oui, retour ce soir Lima Romeo. C'est copié, transpondant 37-23, roulez point d'attente 08 dur à peu près. Voilà, c'est mieux là. 37-23, point d'attente 08 dur à peu près, Fox Lima Romeo. Le sol de Fox Kilomike, bonjour. Kilomike, le sol, bonjour. Le sol de Fox Golf, Golf Mike Kilomike, DR400 au parking de Paris Aéro, pour rouler à l'essence avec Charlie. Pour quel type de vol? Pour rouler à l'essence dans un premier temps avec Charlie. Kilo Mike, derrière l'avion RV7 qui sort de son parking, roulé, quitte aux pompes. Kilo Mike, derrière l'avion qui sort dans ma DAS, je roule aux pompes. Delta Fox, il est là. C'est vraiment un petit vol local alors qu'ils ont fait. La dame était un peu crispée. Hein. Ah ouais, ah ouais. Ça fait deux fois qu'ils viennent pour un baptême de l'air et deux fois qu'ils tombent sur un accident d'avion. Aïe. Ah oui, c'est sûr que... Ouais.
Ok, donc on est dans l'axe, je suis sur les freins. Mais le cirage, je tiens le bazar. Donc, on a les caméras qui sont en fonctionnement, on a l'audio, on a vu qu'elle était bonne. Celle-ci, elle est là. Ok, donc. Après mise en route, ça, on l'a fait. Les essais moteurs, donc le frein, la roulette donnée, elle est dans l'axe. Plus stable sur les freins, cette partie, il est serré. Sélecteur essence, toujours ouvert, transfert carburant. Poussé, pression d'huile, on est dans le vert ici, la température elle est bonne. Pression d'essence, elle est ok, et la gyro, il est bon aussi. Les commandes sont tenues, on est les pieds sur les freins, 2000 courses. Idem. Cinquante à 100 tours, c'est bon. Ready tour. Ah ouais. Moteur neuf, hein. Non, 700 tours stable. Ok, on est bon pour le moteur. On remet 1200 tours. Régime moteur stable 1200 tours. Donc on vérifie serrage de frein de parc, il est maintenu, les contacts magnéto, on est sur Bose, batterie alternateur, tiens j'avais mis l'anticol, on met les phares, je mets la nav, l'alternateur il est bon, il est chargé dans le vert, la mixture elle est toujours en haut, le sélecteur d'essence est ouvert, transfert carburant il est poussé, autonomie, la poids de fuite, machin, 340 QNH 1022, 340 1024, delta de 2, c'est bon. Les commandes. Alors. Un truc, c'était ton genou. Ok. Et ça, ça va. Non, là, je te tape dedans, d'accord. Ok, ouais, bon, il faudra qu'on voit. Faudrait que tu te recules un poil, s'il te plaît. Attention derrière. Vas-y. Voilà. Voilà, c'est comme mieux. Ça c'est mieux, super. Voilà. Surtout pour le départ. Hein. Voilà. Ah ben d'ailleurs, tu vois, finalement le débattement il est mieux. Ok, donc c'est bien. Il est sur neutre entre 3 et 4, c'est bien. Ceinture harnais attachée devant derrière, tout le monde est. Oui. Je mets la pompe. Un cran de lait. N'oublie pas la verrière. Ouais. Fermé. Cette caméra, je sens qu'elle va être pénible. Daniel Sol du Fox Victor Londres, bonjour, piste 0-4 dégagée, je serai pour rentrer à l'aigle s'il vous plaît. Bon, on est quitté à l'aigle. Ok, donc la pompe, la verrière, tirée verrouillée, les éjecteurs sont en place. Pression d'huile, on est dans le vert ici, la température est bonne, la pression essence, elle est nickel. 200 tours, briefing décollage. Donc, on est sur la 0-8, on va décoller dans l'axe. On fait un virage RM 120 degrés au seuil de la gazonnée. On cherche une altitude de sortie de 2500 pieds, puisqu'on sort. Bon, moi je prends 1400 pieds. Vitesse de rotation 54, montée initiale 70, normale 80. Et après ça sera du 92, et plus loin. Bon, dans 80 pour le moment. Le vent, briefing sécurité. Donc en cas de problème, quels que soient les problèmes avant la rotation. On réduit tout, on freine tranquille, on sort, on prévient le contrôle. Attention aux oiseaux. Ouais, hein. Effectivement, donc là on les voit. En cas de problème mineur après la rotation, on fait un pas de panne au contrôle et on fait un tour de piste main gauche pour venir se poser en 0-8. En cas de panne moteur après la rotation, on rend la main, 78 nœuds vitesse machin pour un atterrissage d'urgence en secteur avant, en avant, secteur avant. Avec un Mayday Mayday, si on a le temps, normalement on peut couper la mixture, plus de 3 bricoles, mais à ce départ-là, c'est la merde. Problème des risques, alors justement, les oiseaux, effectivement, on les a bien vus. Alors, température 24 degrés, on a le plein complet, on va faire un départ puissance sur frein. On n'a pas de vent, ou sinon légèrement de la gauche. Daniel Sol du Fox Uniforme Zulu, bonjour.
Je vais dire d'autres, c'est bonjour, bon. Le Fox Bravo Tango, uniforme. Des questions? Non. Les passagers sont prêts? Ils sont prêts. Ils sont prêts. D'Antoine a fait le signe décollage. Uniforme de l'eau, 3.24, roulé point d'attente 08 Durée. Il faudra vérifier le compas, le QFU, la pompe, elle est sur l'attente 08 Durée, on rappelle bref, au uniforme de l'eau. Et 15. Le sol du Fox Novembre Lima, point d'attente 08 Durée, je suis prêt. Novembre Lima, maintenez point d'attente TV, la tour 118 décimal 6. Je maintiens le point d'attente, je veille 118 décimal 6, Fox Novembre Lima, tout à l'heure. Fox Novembre Lima, le New Tour bonjour, alignez-vous piste 08, c'est dur, autorisé décollage vent 040 degrés 4 nœuds. Je m'aligne et je suis autorisé décollage 08 dur, Fox Novembre Lima. Lima Romeo Le Nietor, bonjour, après le départ du Robin, alignez-vous piste 08 dur et attendez. Bonjour, Fox Lima Romeo s'aligne et attend après le départ du Robin, 08 dur. Donc on est QFU 082. On est bon, on est 082 ici, donc on a 10 puissances sur frein, j'ai la pompe, j'ai un cran de volet. Pleine puissance, on a 2200 tours affichés, on lâche les freins, talons plancher. Manche en avant, le vent nul. Badin actif, pas d'alarme, on continue. 33 nœuds. 40 nœuds. 47, 48. 50. 56. Un petit palier de prise de vitesse. On est 70 nœuds. On a décollé. Comme il faut dans les standards. 70 nœuds, montée initiale, virage à droite. Fox Lima Romeo piste 08 dur, autorisé décollage vent 020 degrés 4 nœuds. Autorisé décollage. On est déjà sur du 80 nœuds, tu vois. Montée nominale sur du 80 nœuds. 500 pieds, je coupe la pompe, je rentre les volets, plus de pompe, plus de volets. Pas de réchauffe, on est tranquille. Et ce truc-là qui me souffle dans la gueule, je déteste ça. On recherche donc 1500 pieds, montée 92. C'est bon. On est parti les gars, donc on a décollé les 2h15. Sautez. Donc 11h15, retour, moi je dirais midi 13h30. Vu la capacité qu'on a dans les fuels, dans les réservoirs, ouais, c'est clair. On a 3h30. Hein. On met au double devant Lima par la gauche, en montée. Hein. Moteur, montée en puissance rapide. Nous, donc on part, hein? Ah ouais, t'as tu sens la patate un peu là. Ouais. Les fameuses lignes à haute tension. Ouais, donc là on va sortir de RMZ. Voilà, 1400, je suis content. Je vais le stabiliser. Fox Novembre Lima, trafic hélicoptère sans contact, midi de nautique droite-gauche, détecté 600 pieds. C'est reçu pour le trafic, on le cherche, pas de visuel pour le moment. Okay. Kozak 11, le Nietor, bonjour, trafic Robin, 10h, moins d'un nautique, sans s'opposer, 1500 pieds, je vous écoute. Kozak, on a un bon visuel, on arrive donc 2 minutes suite, écho, on retour vers Villa, via Mondest, et on monte 1500 pieds. Reçu Kozak 11, transité, donc affirme, donc on l'a remonté 1500 pieds que Nashville 22, piste 08 en service, donc rappel rappeler à prochain écho. 1022, rappel au prochain écho, Kozak 11. Toxic Frais Juliette, piste 0, piste 0, autorisé atterrissage. Ouais. Je les garde. C'est mieux pour la visibilité. Donc, Norme Lima, trafic croisé, transpondeur 7000, qui était à tout à l'heure. Trafic croisé reçu, transpondeur 7000, à tout à l'heure, Fox, Norme Lima. J'ai 1500 PQNH, on poursuit direct jusqu'à novembre. 1500 PQNH, je rappellerai vers qu'il y a novembre.
Bel du Fox Novembre Lima, bonjour. Melun, le Fox Golf Novembre Lima, DR400, décollage de Logne, 1500 pieds, dans 1 minute 30, passage Novembre pour un transit à destination de Sierra Mike via Vol-Vicomte. On voit bien Novembre, il est devant là. Ah oui. Ah, tu peux pas le louper là. Donc là, on a un air qui est plutôt stable, j'ai l'impression. C'est ouais, nickel. C'est encore tout. Bon, donc on a terminé. On peut dire décollage 11h15. Donc Sierra Mike à 25. On est sur du 110. Hop là, dis donc la puissance, elle fait quoi là? C'est 1450. Victor Charlie, vent arrière gauche, piste 08. Donc là, j'ai envie de dire qu'on est 2000 pour le courant d'air, ça va être super. Si c'est comme ça tout le temps, on va se régaler parce qu'on va pas être secoué. Voilà, Novembre Lima, 15 secondes, Novembre 1500 pieds, pas d'appareil en vue. Bon. 1480, 2500 tours, 118, c'est bien. Donc première route, 180. C'est pas compliqué. T'as Belin qui est ici. On voit déjà vos Vicomte. Bras devant. D'accord. Vérifie juste pour le principe que ce truc-là fonctionne. Bon. Donc là, on n'a plus la TMA 1500, on est passé. On est 2500. Bon, ça sert à rien. Le but du jeu, ça va être de voir le château aussi près que possible. Prochain train de Charlie, transit en cours entre Sierra Mike vers Novembre à 1500 QNH. Je suis travers Vol-Vicomte, je poursuis vers Novembre à 1500 QNH et j'ouvre l'œil, j'ai un trafic en sens inverse que je n'ai pas en vue. Donc c'est reçu pour le trafic en travers Vol-Vicomte, 2000 pieds, c'est ça? 1500 pieds QNH, 1022. Ok, on est pareil, 1500 pieds QNH 1022. Donc on arrive par le nord, on a Vol-Vicomte à notre droite. J'imagine que vous êtes plutôt sur la gauche de Vol-Vicomte par rapport à nous. Vol-Vicomte à ma gauche, donc on devrait se croiser avec à distance. Donc si vous l'avez sur votre gauche, on arrive face à face. D'accord, Golf Sierra Romeo Lima, DR400 pour nord de Fontenay, Précisie, à destination de Montargis-Vivory. On est en direction de Sierra Mike, 1800 pieds QNH. Ah, ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu d'altitude. Victor Charlie en basse gauche, piste 01. Donc à Belin, là, pour l'appareil qui est à Vol-Vicomte, on monte 1800-1900 pieds. C'est bien noté, Victor Charlie, merci. Bon voyage, bon vol. Merci, bon retour également. 1800 pieds en stabilise. Victor Charlie en finale, piste 01. Donc là en 08, il est sur le bas. Victor, Piper J3 en provenance de la Ferté-Allée, 1400 pieds actuellement vertical, la Seine à Fontainebleau, en direction de Vol-Vicomte, mais dans 10 minutes je rappellerai à Sierra Mike. Reçu pour l'appareil Novembre Lima en direction de Vol-Vicomte et ensuite Sierra Mike, on est 1800 pieds, on reste stable 1800. Melun de Saint-Pascal Charlie, je croise l'axe de la piste 28 de Melun à 1500 QNH. Melun de Saint-Pascal Charlie, j'ai visé sur l'appareil que je le robin que je croise au niveau de la piste 28. Voilà, du Fox Novembre Lima, donc on est 1800 pieds, on est 15 secondes verticales, Vol-Vicomte, direction Sierra Mike. Donc tu le vois bien là. Ah ouais, c'est clair.
qu'on a Blandy qui est juste à gauche là-bas. Bon, on la verra une autre fois. Donc la fréquence suivante, 134, bon. Donc en fait ce qu'on voit là-bas déjà c'est Fontainebleau. Un grand hôpital, alors je crois que j'ai assimilé ça, c'est un hôpital. En fait, à gauche on voit la Seine, donc nous on voit déjà la trajectoire qu'on va prendre, on va aller chercher la Seine. Et Ramaï qui est en dessous là. D'accord. Voilà, information du Fox de Novembre Lima, nous sommes 1700 pieds 30 secondes de Sierra Maï. Voilà, on est Fox Romeo Lima, 2000 pieds QNH et on est à 3 minutes de Sierra Maï, en direction de Sierra Maï. Victor Charlie, la piste est dégagée, roule au parking 3 tonneaux. C'est reçu pour l'appareil à destination de Sierra Maï à 2000 pieds QNH, donc on va redescendre un tout petit peu. Bon, après on est en transit sur la Seine côté Fontainebleau, donc probablement on passe à votre trajectoire. Non, c'est... Donc Sierra Maï, c'est en dessous, c'est la ville de Bois-le-Roi, avec les écluses en fait. D'accord. Si tu veux savoir à quoi ça ressemble au sol, tu vas sur le Mont Bleu. Et tu verras plein de photos. Enfin, il y en a. On est passé plusieurs fois. J3, j'arrive à l'approche de Sierra Maï par le sud à 1400 pieds QNH. Reçu pour le Novembre Lima, on est 1600 pieds QNH. On franchit Sierra Maï dans 15 secondes. Pas de visuel sur votre appareil, Fox Novembre Lima. On va sur Fontainebleau, donc on légèrement à gauche notre trajectoire. Et 28 heures. Voilà, de Fox à Charlie, 1500 pieds QNH vertical le Novembre, je poursuis vers le nord et pour quitter la fréquence, au revoir, à bientôt. Au revoir pour l'appareil. Donc sur un Novembre Lima, on est vertical, Sierra Mike 1700 pieds, pas d'appareil en vue. On va sur la 7 sur notre gauche, donc on sort des trajectoires d'arrivée par le sud. Melun Info pour le Fox Uniforme Zulu et sa radio. À gauche, ça va. On vous reçoit 5, Fox Alpha Charlie. On est au nord de la zone. Ah ok, visuel, merci beaucoup. Le Fox Bravo Tango Uniforme Zulu 172. Trois personnes à bord en provenance de Logne. On est à 2 minutes du point Novembre pour traverser la CTR jusqu'à Vouldigonte. Et on fera une sortie vers le nord-est Blandy-les-Tours et pour rejoindre Fontenay-Trésigny. On rappelle vertical du point Novembre, on est 1500 pieds QNH 1022. Voilà, faux Fox Novembre, on y va devant le visuel sur l'appareil à destination de Sierra Bike à Nautique à l'est. On quitte la fréquence, au revoir, bon vol à tous, bonne journée. Bonne journée à vous. Donc le château il est là-bas. D'accord. Je vois les jardins du château avec l'obélisque en dessous là. Ah d'accord, ok, ouais, alors ça c'est Fontainebleau. Effectivement, il y a un obélisque. Ouais. À gauche on a une petite ville. J'ai Sabois-sur-Seine. Si vous connaissez Django Reinhardt, il a vécu ici. Là on a Saboro. On y était il n'y a pas longtemps. On fait une balade justement dans les environs, dans les sous-bois, là c'est magnifique. Faut faire, on est 1600 pieds, c'est bien. Pas de trafic. On va gagner des tonnes par ici en général. Donc là on passe vraiment en bordure de Seine. Donc là la ville elle doit pas être dessus. Hein. Non. C'est sur les arbres encore. Hein. Je vois personne devant. Donc on voit bien le château, oui. Tranquille. Donc devant on a Champagne sur Seine là-bas. Tiens, il y a un joli viaduc là, je l'avais jamais vu celui-là. Ouais. 1600 pieds, on est bien. Donc on va avoir un beau visuel sur le château. Donc je vais chercher la partie verte là et un petit virage 25 degrés ou 30 degrés même pour l'alignement.
Donc on peut déjà calculer Morée. Devant, il doit y avoir Bourreau Marlotte qui est là. Ou là, je sais pas. Et Morée, c'est par là-bas. Et donc on voit bien que le flight plan est inactif. Sécurité à droite, je vois personne. Bonjour, du poste Golf Sierra, on est au Lima. Fréquence CNINFO, 134 décimales 3, indisponible. SIV 1 de Seine, fermé. Contactez Paris, information sur 126 décimales unité ou Paris contrôle sur 125 décimales 450. Seine Information Frequency 134 décimales 3, unavailable. Flight Information Sector 1 of Seine is closed. Contact Paris Information on 126 décimales 1 or Paris Control on 125 décimales 450. Bonjour, du Fox Golf Sierra Romeo Lima. Fréquence CNINFO, 134 décimales 3 indisponible. SIV 1 de Seine fermé. Contactez Paris information sur 126 décimales unité ou Paris contrôle sur 125 décimales 450. Seine information frequency 134 décimales 3 unavailable. Flight information sector 1 of Seine is closed. Contact Paris information on 126 décimales 1 or Paris control on 125 décimales 450. Paris Info peut pas. On n'a pas les plans de vol ISR tout simplement. D'accord, mais expliquez qu'ils nous ont communiqué votre fréquence pour cela. Alors le voit bien, il n'y a pas de problème. Alors attends. Donc là je suis au sud de la route en fait. Oui, d'accord, oui c'est ça. Ok, donc c'est bon. Ah, bonjour des Fox Golf. Ok, donc 1600 pieds, bon trajectoire comme ça, on est bien ou on est trop près? Parce qu'on peut être trop près aussi, hein. Après t'as l'histoire de l'aile qui va prendre beaucoup de temps. Ah oui, oui, c'est vrai. Tu vois, donc c'est pas Blue Tie 891. Le cas échéant, la prochaine fois on ira plus loin. 125-080, c'est noté, c'était la facture. Là je l'avais jamais vu d'aussi près en fait. Sécurité à gauche, Bourreau Marlotte est là. Je vois personne. Et là direction Morée, hein, c'est ça, l'enclavation Morée. Alors Blue Tie 891, en fait, quand vous aurez fait vos deux procédures, vous nous rappelez et en on vous donnera un trafic, croisement et 4 passages juste au-dessus. Ah c'est génial, j'ai pas compris merci beaucoup et je vous rappelle en fin de procédure. On avait un trafic en croisement. Ah oui, juste derrière, dis-donc, on l'a pas vu. Bah Yohan n'est pas passé loin là. Non, il s'est pas annoncé le mec, je l'ai vu au dernier. On était sur une fréquence, on s'entendait pas donc. Ah. Pardon, vous pouvez répéter pour 891 891, vous maintenez la fréquence pour l'instant. Cerné de Deco Fox Charlie, c'est long final, puis 04 faut en complet. Ok. Donc lui il est là, moi ce que je vais faire c'est que je vais passer à droite. Right. Ok, donc je m'éloigne. 134-875, merci, au revoir. Paris Info du Fox Novembre Lima, bonjour. Ah je l'ai pas vu lui. Non, non, mais je vais plus au dernier moment. Paris du Fox Golf Sierra, Romeo Lima, bonjour. Et je suis en plein virage. Fox Romeo Hotel Paris, bonjour. Fox Romeo Lima, Paris, bonjour. Oui, bonjour, Fox Golf Sierra, Romeo Lima, Indien 400, provenance de Fontaine, se signe à destination de Montargis, on a 2000 CQNH. On est au sud-ouest de Montargis. Tu peux passer la carte au 250, s'il te plaît? C'est celle-là ouais. Fox Golf Sierra Romeo Lima 70-13 au transpondeur. Transpondeur 70-13, Fox Golf Sierra Romeo Lima. Fox Novembre Lima à Paris. Oui, le Fox Novembre Lima, je suis donc avec vous. Fox Golf Novembre, Novembre Lima, un DR-400, 3 personnes à bord. En provenance de Logne à destination de Blois pour un vol retour suite sur Logne. 1600 pieds, 1800 pieds à proximité de Morée pour passer en fréquence avec vous. Fox Golf Novembre, Novembre Lima 7001 au transpondeur. 70001 affiché pour Fox Novembre Lima. Alpha X-ray identifié radar. Papa Tango identifié radar. Alpha X-ray. Romeo Lima identifié radar. Ok. Paris Info, Delta Echo Fox. Okay, là-bas, j'ai compris où on est. On va changer d'intention, on va faire route sur Touchenab pour un okay. Là-bas. Donc on est là. Il s'est éloigné, ouais. Ouais, il s'est complètement éloigné. On s'est éloigné de lui, oui. Donc là, on est sur la route avec deux villages, Bourreau Marlotte à notre gauche. Québec Uniforme identifié. Et notre ville à droite, là. Ouais, et c'est pas forcément celle-là. Bon, là-bas, on a l'autre, c'est. Par contre, l'autre, c'est Delta Echo Fox Québec Delta.
Donc là on oublie Maury qui est complètement à gauche. Hein. Ouais. Là, il nous a pris le truc. Et on va considérer qu'on est passé à 34. Donc réel, je note 34, 12 minutes, ça fait 46. Delta à Paris. Paris Info, Delta Echo Fox Québec, Delta. Et la route suivante pour Montargis, 590. On va faire route sur l'Oise, on va faire route sur tout Suenoble pour un complet là-bas. Québec Delta, vous me redonnez votre indicatif, s'il vous plaît. Votre code transpondeur, pardon. On a fait 7000, on attendait le code transpondeur. Bon, donc là je suis largué puisque je n'ai pas pris mes points de repère comme je voulais. Comme vous le souhaitez, je ne peux pas veiller la fréquence. Ça devient intéressant. La fréquence, j'ai pas de code transpondeur à vous donner. Pas de souci, on veille la fréquence, on va faire route direct Lima Fox Oscar, frais. Okay. Et on va faire direct. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va grimper 2000 pieds. Là, t'as Puiseau juste en face. À 3 minutes. D'accord. Blue Tie 891, pareil. Moi, ce qui m'intéressait, ça c'est de savoir où est le loin. Blue Tie 891, alors, soit vous posez, vous faites deux procédures, vous posez. Vous téléphonez pour avoir une éclairance pour votre IFR départ. Donc là, pour moi, c'est avec deux bourres, là. Voilà, 2200. Soit une fois un plan de vol Zulu pour pouvoir décoller VFR puis IFR. Ah, si, donc on n'a pas de plan de vol Zulu, on a juste un plan de vol IFR de base. Écoutez, on va se poser et puis on fera le nécessaire. D'accord, Blue Tie 891. Alors, on a ce patelin ici. Contactez-moi quand vous allez faire pour les faire des points. On est trop loin là. Aussi, mais dans ce cas, je vous rappellerai le Coyardon. On peut mettre ça, on est quelque part par ici là. November 747, call Kilo Formation. Voilà, regarde. Tu vois là les arbres là? Ouais, là c'est le loin. Les arbres issus des rivières en fait. Donc là, si on a bien deux cours qui allaient faire plus proche, et qu'on a un cours d'eau qui suit vers le sud, puis l'autre 130 je vais converger vers lui, on va vers Montargis qu'on voit au fond là-bas. D'accord. Donc là on va dire qu'on a le loin, comme ça on a une ville à gauche. Paris Info Romain aussi bonjour. Ah oui, quelque chose comme ça, là ici, on a une ville à gauche, voilà, ça doit être celle-là. Tu vois déjà. Là on est ici, Mac, on a l'autre. Paris Info du Fox Romain Royal qui bonjour. Tours. Ok. Donc là on va vérifier, c'est dans le vert, c'est dans le vert. L'internateur il est bon, le gyro il est bon, la pression. Bonjour. Pas de pont, pas de réchauffe. Tac, terminé, on est bon. Et on a déjà 20 minutes de vol. Par rapport à une vingtaine de jours, on est bon. Et par exemple, excellent, mais est-ce que ça vous arrangerait pour le reste de la journée que je mette juste en écoute en montée et en descente et que je parle uniquement avec Paris Control? On fait comme ça. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Je ne vous ai pas répondu, c'était trop de bombes. Donc on a plus d'eau ici, oui, c'est ça. Hein. Donc on fait comme ça jusqu'à la fin de la journée. Bon courage. Merci. Et par exemple, du Romain aussi, bonjour. Donc là, on est quelque part Romain ici. Romain Yankee, je suis désolé, j'ai pas de code transpondeur à vous donner. Ah, ben ça y est. Voilà, je cherchais une route, mais c'est pas forcément celle-là. Delta, Mike, Mike. Et par exemple, du Fox, bravo, Oscar, Papa Hotel, bonjour. Papa Hotel, bonjour. 72-27. Infirme, monsieur. Je vais prendre terrain de départ à destination, s'il vous plaît. Alors, c'est un mousquetaire D140 au départ. D'accord, bon, donc là tu vois, j'ai vu, on est complètement à droite en fait. On est complètement dérivé. Et on n'est pas du tout là, effectivement. Donc c'est peut-être toi qui as raison, on doit être relativement loin là. Il veut dire que là-bas ça serait pitivier. Oui, c'est ça, je pense. Ok, donc on va retourner sur la gauche. T'as vu le point de départ, comme il a bousillé le truc. C'est mort, hein. Donc on part complètement en cacahuète. Vous voyez la fréquence? Bon, donc là on va se restabiliser sur FEM. Tango, Mike, Mac, 70-20 en profondeur. Oui, 72-20, je vous écoute. Delta Mike, Mac, on aimerait savoir si la R20H4, okay, la R20B4 et la R7C sont passées, s'il vous plaît. Donc ce que je comprends pas... Pour moi, vous êtes clair jusqu'à Poitiers. Super, merci Delta Mike, Mac. Paris, novembre 95, aussi, bonjour. Station à plan, Paris, bonjour, je suis désolé, j'ai pas de code transpondeur à vous donner. On va y aller. En face, on a Beaumont, à moins de 2 minutes.
envoyer la fréquence en troisième cul pour info, on est au décalage 2-3 vers Delhi. Là tu vois qu'on ne trouve plus rien, on ne retrouve plus rien, on a juste des éoliennes comme ça, d'accord, donc effectivement c'est plutôt par là alors. Ouais. On est oui, sur c'est ça, exact. D'accord, ouais, on est passé comme ça là. Fox Golf Sierra, Romeo Lima, Paris. Ouais, ce que j'ai pris pour l'heure là, et on se dirige, ouais, c'est ça. Pour information, il y a de l'activité para à gauche. Chaque détail est important. Attention, l'avion largueur est en montée pour l'instant. D'accord, donc je maintiens. J'ai pas compris où il a dit l'activité para. Bah, vous êtes commandant dedans, prenez vos responsabilités. Moi, pilote, je vire à droite ou à gauche pour éviter le secteur, mais c'est comme ça. Non, c'est qu'il est loin, c'est pas ton nom. Paris 17, 21, on quitte le 65 pour le 75. J'ai reçu le 17, 20, novembre 17, 21, j'ai pas de trafic à vous signaler. Bon, bon, là, je pense. Ouais. Paris Info de Fox Hotel Romeo, bonjour. Ah, ça y est, là, j'ai un repère. Romeo, je suis désolé, j'ai pas de code transpondeur à vous donner. Allez, donc on avait complètement dérivé carrément à droite, dès le départ de la nave. Donc tu vois, ce que je prenais pour le loin, en fait, c'était pas le loin, ou alors c'était autre chose. Hein, ah oui. Bon, donc là, on va se retrouver par rapport à cette route-là. Fox Golf Tango Delta Oscar Paris. Oui, monsieur. Alors Delta Oscar, vous êtes dans les zones de Beauvais 119-8. Je vous laisse les contacter avec 7000, au revoir. 119-8 ou 123-985? Non, c'est à l'est, donc c'est 119-8. 119-8, merci. On devrait couper l'autoroute. Yankee, Paris, bonjour. Ok, donc on a, on va traverser ces deux barricades. Alpha, je suis Alpha Yankee, Paris, bonjour. On est probablement près de celle-là. Romeo Yankee, par exemple. Oui, c'est ça, mon Tergis, il est devant, oui, il a 5 t'as raison, c'est ça. Alors, Romeo, et on va arriver sur Corbeil. Voilà. Donc on va repasser du côté gauche, parce qu'il était même assez comme ça. Pour une évolution locale, ce et en même temps, ça nous permet de voir un peu loin quand même, qui était un peu le but. Voilà, je loin, il est là à gauche. Moi, je réfléchis à ce qui s'est passé, parce que là, j'étais complètement à l'ouest. Enfin, à l'est. Non, à l'ouest. Paris, Fox, Charlie Mac, bonjour. Bonjour Charlie, Paris Info, bonjour. Blue Tie 891, Paris. Alors ça doit être Montargis. Ah non, même pas, regardez, il est droit devant Montargis en fait. Montargis sera à gauche. Montargis, c'est à 5 minutes, fréquence à gauche. Ah mais il est à gauche. On paye la fréquence, ne vous inquiétez pas. Alors, on arrive, on voit ce que c'est ici. Alors pour information, Blue Tie 891, lorsque vous ferez votre retour sur Toussu, dès lors que vous serez avec moi, vous serez considéré comme un Yankee. Et une fois que vous serez, ou en Zulu, pardon, et une fois que vous serez avec Paris Contrôle, ah ouais, vous en fait, on est là. Ouais, c'est ça. C'est correct. Il est là. Ah, regarde, ma route. J'ai reçu Boutin. Là, vous avez été coupé. On est là, effectivement, on a Montargis droit devant. Donc on commence à distinguer là-bas. Donc c'est Charlie, Paris, je suis désolé, j'ai pas de code transpondeur à vous donner. Merci parce que... Fox Novembre Lima, Paris. Novembre Lima, je vous écoute. Pour information, vous avez de l'activité parachutisme à Montargis. L'avion largueur est en montée. Il larguera dans les 3 minutes. C'est reçu pour l'information para à Montargis. Donc on va arriver par l'ouest de Montargis. On restera à distance du terrain comme on avait prévu. Merci pour l'info. C'est reçu. Et pour information, vous avez un trafic dans vos midi. Il est convergent de nautiques sans pied. C'est le Fox Romeo Lima. Donc de nautiques, un trafic droit devant, pas de visuel, même altitude que nous. Convergent, vous avez dit? Convergent entre 100 et 200 pieds haut. D'accord, il arrive de notre gauche. Tout à l'heure, on avait vu un visuel sur un trafic qui était justement en direction vers le sud. Reçu, merci. Paris Info, du Fox Romeo Lima. Devant. Ah oui, vu. Visuel pour le Novembre Lima, convergent droite, enfin droite-gauche, même altitude que nous. Fox Golf Sierra Romeo Lima, Paris. Oui, Fox Golf Sierra Romeo Lima, on va quitter la fréquence passée avec Montargis pour veiller écouter ce qui se passe. Romeo Lima 7000 avec Montargis, au revoir. La Fox Romeo Lima, j'ai entendu 7000 et pas la suite. Je vous laisse passer avec Montargis. Affirme. Fox Hôtel Romeo, Paris. Hôtel Romeo, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, passez votre message.
Fox Golf Alpha Hotel Romeo, un DR402, 3 personnes à bord en provenance de Montargis pour un vol local vers l'Est Lyon, Fontainebleau, retour Montargis. À 2300 pieds, cap. Vers Montargis. 70-13 au transpondeur, Fox Golf Alpha Hotel Romeo. Donc là, on a dû prendre 10 minutes dans la tranche. 70-13 Hotel Romeo. Delta India Tango Mike Mike. Et les centrales qu'on voit à droite là-bas. Ouais. Delta India Tango Mike Mike, allez-y. Pardon. Delta Mike Mike, vous coûtez ma fréquence. Ok, j'ai compris. Ça y est, on est en terre ici, là-bas. 835. L'avion est à droite, Mike, on peut pas. Enfin. 134-875, c'est l'information, perdu le transpondeur. Bonne journée, bonne continuation, au revoir. Alors pour le coup, le terrain est le pari de la ville, bonjour. Romeo Yankee, identifié radar. Ok, identifié. Fox Québec Delta, on quitte la fréquence. Québec Delta qui veut quitter. Ok, donc il est 46 à Montargis. On approche Essence, on va faire des installations pour passer, on va passer un instant à l'info avec elle. Et vous avez un code transpondeur. Alors la route suivante, c'était. Donc là, je vais y aller à la fréquence avec cette mission de Montargis. Ok, donc là on va partir sur du Montargis. Paris du Pas de Montargis. 220. Alors Roméo Lima, vous êtes passé avec Montargis? Négatif, j'ai eu le début de votre message avec le transpondeur 7000 mais pas la fin. Donc je vous disais de passer avec Montargis et avec 7000. D'accord, on passe avec Montargis, transpondeur 7000, Fox Golf Sierra, Roméo Lima. Jean-Luc, tu peux passer le frontière s'il te plaît. Juliette Papa, bonjour. Juliette Papa, merci. Je vous rappelle. Fox Golf Alpha Hôtel Roméo, identifié radar. Voici Hôtel Romeo. Fox Golf Golf Juliette Papa Paris, bonjour. Vol BF4, au soleil, Lima Fox, au faire uniforme à destination de 3 Québec Lima. 3 personnes à bord, on transporte 7000 à 4000 pieds, novembre hôtel. On est travers Orléans. 70-20 au transpondeur pour le Juliette Papa. 7020 pour Juliette Papa. Alpha Express, je vous écoute. On peut libérer la fréquence. Ah ben non, on regarde prévu 46. On 2 minutes, on passe avec Rennes. On n'a pas perdu. Pour rien vous cacher, Alpha Express, je vous ai lâché avec Rennes il y a plus de 10 minutes. Pas entendu, Alpha Express. Pas de soucis, au revoir. 8 minutes, 46. On passe avec Rennes et 7-7. Paris Info du Cirrus Fox Alpha, bonjour. Juliette Papa, identifié radar. Fox Golf Golf, Juliette Papa, Paris. Fox Golf Golf Juliette Papa Paris. J'écoute monsieur. Ce serait possible de prendre un niveau de vol VFR s'il vous plaît? Oui, on va monter à l'euro 55. 55 en maintenant votre séparation pour le Juliette Papa. Paris Info du Fox Québec Unisson. C'est Paris du Fox Papa Hotel. Ouais, donc là on regarde. Paris du Fox, bravo. Donc là on est bien loin d'elle, ah, ouais. Tu vois, on est tranquille. On est plus d'elle par là. Après on va quelque part ici là. D'accord. Fox JS Delta X-ray Alpha 7000, au revoir. Donc là j'ai commencé à la chercher évidemment puisqu'on est complètement bloqué dans la navigation. Fox Bravo Sierra Juliette Golf 7000, au revoir. Je pense qu'on est trop à droite là. Fox Hotel Bravo Delta Yankee Paris. Donc là je vais chercher à converger en faisant gaffe à Loire qui est là. Delta Yankee avec Rennes. Parce que c'est vraiment pas loin de l'autre. Donc Fox Hotel Delta Papa Tango Paris. Je pense que c'est droit devant là. Voilà, on se remet 2000 pieds tranquillement. Paris, Fox Bravo Oscar Papa Z. Donc là l'approche 82, on va un peu l'oublier je pense. On est déjà à se fixer sur le retour sur la nage. On trouve sous l'île en Loire, ça sera bien. Paris, bonjour. Monsieur Fox, bravo, Oscar Papa Hotel. Oui, je vous écoute, Papa Hotel. On s'informait que j'arrive le vertical d'Orléans Saint-Denis dans 3 minutes estimées, savoir si je passais avec Brissy ou si je maintiens votre fréquence. 500. On maintient. Et il y a de l'activité para sur Orléans-Brissy. C'est copié, Papa Hotel. Paris, de Fox, JF Papa, Paris.
Oui, bonjour, c'est Fox, Hôtel Fox, Papa Kilo, hein, c'est 972 au départ. On break. Personne à Juliette Papa, Paris. Reste de Chantilly. Actuellement, 1500 pieds en descente, 1300 pieds. Fox, Golf, Golf, Juliette Papa, Paris. Oui, je vous ai répondu, mais ça a été brouillé. Bonjour. Il n'y a pas de souci, donc vous êtes bien identifié radar, vous montez au 55, et pour information, vous avez de l'activité par un grand lac. Très bien, on en a un qui est en deux morceaux. Paris Info du Québec de l'Est. Le cible semblerait être un concurrent intéressant, un candidat intéressant. Echo Kilo Tango Whisky, Paris. Et je peux pas dire en Echo Kilo Tango Whisky, Yole, ma frequency and contact Chevreuse. 119.3. 119.3. We must call VFR. Have a good day, bye. Delta X Kilo Tango Whisky, calling 119.3 and squawking VFR. Goodbye, thank you. Paris Info du service Fox Alpha, bonjour. Enfin, on arrive dans la zone boisée, après avoir vu la zone. C'est pour savoir si les Roméo 142 et 144 sont actives. On voit la Loire qui fait un coup de là-bas. Non. On voit cette grande surface là. Pas de note active. Je vois du. C'est inactif, je vous remercie, Québec Uniforme. Et c'est bon par rapport à celui. Bon, on est pas pour faire ça, ça parce que je sais qu'on est dans les. 22 décollé de Blois, destination le plus civil. On doit être mort dessus en fait. Une altitude. Ça va à 3200 pieds, Fox Alpha. Fox Hotel Golf, Fox Alpha, 70-02. De Fox Alpha. Donc là, c'est lui qui repart. Paris Info de Fox et Sierra Juliette, bonjour. On a une route qui part là. Donne, il y a une ligne de tension en dessous là. Fox Sierra Juliette, Paris, bonjour. Oui, à droite là-bas. Fox Juliette, Echo Sierra Juliette, ULF, bon, je suis en Loire, deux personnes à bord. En c'est pas compliqué de puisque c'est la ville la plus proche de la centrale pieds, qui est à gauche. Là-bas on va vers Orléans Saint-Denis. Fox Juliette Echo Sierra Juliette 70-07 au transpondeur et vous prendrez un niveau de vol VFR s'il vous plaît. Ok. Donc je pense qu'on arrive sur le point que j'avais visé là. À partir de là, il faut commencer à chercher. Sierra Juliette côté. Julien Loire est là-dedans. C'est copié. Et je le sais parce que derrière, tu vois la fumée qui dégage là. Ouais. Quand on y était passé l'autre fois, j'avais vu qu'il y avait une usine. Juste derrière. Golf Fox Alpha. Qui est en 1800 pieds. Fox Alpha, en 15-2. Direct sur le petit. On va rester comme ça, stabilisé. Petit Coulommiers, Fox Alpha. Regarde, pas d'avion. Petit Coulommiers reçu. On voit le château, ça y est à droite. Et vous êtes identifié là. Tu vois la Loire? Oui. À droite, t'as le château qui est juste derrière dans la vapeur, le sable d'os, on va dire. Carabé, bonjour. Couleur oui, 1721, j'écoute. Novembre 1721, je vous laisse passer avec balle. Voilà, on est 1800 pieds, c'est bien. Oui, quelle fréquence bon, on le voit bien, là. Ok. Donc on a le temps de le voir, geste comme ça. On va pas se compliquer la navigation, plus qu'on a déjà. 34-85 pour la route suivante, ça sera du 254. 34-850 et... Négatif, 135-85. Bon ben, pas de visuel sur les appareils à côté, il n'y en a pas manifestement. Paris Info, Delta, Echo, India, Romeo, Charlie. La caméra fonctionne, elle fonctionne, elle est mal passée, la mienne fonctionne. Oui, je vous écoute, je okay, on admire le château. 45. Alors 45 noté et vous êtes identifié radar. Paris Info, okay, de visuel intéressant sur le château, là on est bien. Table, vitesse de croisière. Finalement, tu vois, on a le temps de le regarder en vitesse de croisière. Fox, Papa Victor, DR400 au départ de Étampes, en vol local secteur sud entre Étampes et Pithiviers, altitude 2200 pieds. Papa Victor, prendra un indicatif complet avec le 7003. Ok, bon, on a un beau visuel. Fox, Golf, Tango, Papa oui, Victor, juste éviter les deux maisons qui sont là. Bien, on en profite. Paris, Novembre 95136. Station à plan Paris, bonjour. Voilà, on traverse la Loire. 95136, on est en écoute là. Vous avez des codes transpondeurs de disponibles? Ah bon, on le voit super bien en fait. Pas mal, j'ai du code transpondeur, je vous écoute. Oui, on est en écoute là, c'est Novembre 95136, station 210, décollage de 3, pardon, destination de...
Donc là, c'est un peu comme tout à l'heure. Dès qu'on est prêt, on le voit bien pendant qu'il est sur la phase avant. On évite d'en déborder par l'est finalement. Et on le revoit quand il est derrière. Donc là, je maintiens la trajectoire, quoique si je vire un petit peu, sur la bestiaire, on le voit encore mieux. Et 55. Papa Kilo, bonjour. Oui, c'est Fox Hotel, Fox Papa Kilo, un Cessna 172 au départ d'Angamoisselle avec deux personnes à bord actuellement, 300, 1400 pieds, je en vol local dans l'est de Champigny. Personne à droite. 72 au transpondeur, Papa Kilo. 72, Papa Kilo. Allez, par info, Romain Yankee. Je vous écoute, Romain Yankee. Si je vais vous libérer une fréquence, je vais retourner avec Chapnet. Romain Yankee, Chapnet 7000, au revoir. Voilà, je suis sur la route. Journée, merci pour le service, au revoir. Il est 56. Papa Victor identifié radar. Et je vous montre. Bonjour, monsieur, allez, bonjour. Et finalement, ça sert à rien d'être trop bas, je pense. On va se mettre 2500 minimum. Papa Victor, Paris. Tout est dans le vert. Carburant, on est sur 3. Le Golf Tango, Papa Victor, à l'écoute. Bon, alors si on monte, on dit Papa Victor, identifié radar, reçu. C'est pas ce que je vous ai dit, je voulais savoir si vous m'écoutiez, Papa Victor. Excusez-moi. Oui, je vous écoute. Alors, Papa Victor, pour information, vous avez de l'activité para sur Orléans-Brécy et vous avez un trafic 1000 pieds haut dans vos midi 5 nautiques. Reçu pour le trafic et l'activité sur Orléans-Brécy. Novembre 95, 33, Yankee, identifié radar. Reçu, 33, Yankee. Voilà, 92. Bon, je prends 3000 comme prévu, ça me paraît bien là. On verra loin, t'as vu les visibilités, celles sont difficiles. Hein. Oui, on va faire 92,2, donc c'est bien. Identifié radar. Papa Kilo, merci. Paris Info, Foxtrot, Golf Tango, Delta Oscar, bonjour. Delta Oscar, pareil, bonjour. Foxtrot, Golf Tango, Delta Oscar, c'est un Romain 2000 en VFR en provenance de Echo Bravo Novembre Mike. La destination, c'est Lima, Foxtrot, Papa, deux fois. Je suis à 1400 pieds, je viens de quitter Beauvais Info. Deux personnes à bord et 7000 au transpondeur. Delta Oscar, 70.05 au transpondeur. 70.05, Delta Oscar. Rien info de Foxtrot, Cargol, bonjour. Voilà, allez, 3002. Voilà, en visuel, ça me plaît. Donc on fait attention à la TM1, comme je disais tout à l'heure. Oui. Paris Info, Blue Time 8, 91. On attend que la vitesse soit revenue. Paris, bonjour. Donc pilotage, t'as ton altitude, tu maintiens ton altitude. Donc tu maintiens ton assiette, la route évidemment, et t'attends que la vitesse reprenne. Oui. Quand t'es donc, 891, dans cette petite configuration là, tu lâches. Comme j'ai pas touché le trim, normalement c'est bon. 891, on est en train de faire de dernière procédure sur Auxerre. Et ensuite, si on peut rentrer en IFR, Alors, maintenant il faut que je regarde lui tout le temps. Donc j'ai dit 57. J'ai reçu 70-77 au transpondeur. 70-77 au répondeur, bouteille 8-91. Donc la route, elle fait en gros 18 minutes. Bonjour, Fox, Juliette, c'est bon, pas de vent, donc pas de correction. J'ai le Fox Oscar Golf qui cherchait à joindre Paris. Affirme, Fox Golf Hotel, Oscar Golf. Oscar Golf, je vous rappelle. Fox, Fox Alpha, Paris. Fox Alpha, j'écoute. Alors pour information, donc, on est à la ville d'Orléans là-bas. Actuellement, et quelque part sur la droite, je sais pas où exactement, le terrain. Un convergent vers RBT, le deuxième. Avec des évolutions variables au-dessus de Pithiviers pour deux nautiques, les deux trafics. Entre 300 pieds plus bas et 300 pieds plus haut. Reçu Fox Alpha, merci. Donc, papa, la droite devant, ça doit être la Ferté Saint-Aubin qui est la première ville qu'on doit croiser. Un trafic qui est actuellement dans vos 9 heures, gauche-droite, 500 pieds bas, c'est le Fox Fox Alpha. C'est copié, Papa Hotel, a priori, il est déjà la première qu'on doit voir. Je parle pas de celui qui est sur votre droite, hein, bien sûr. On a une petite ville jaune qui est aussi, hein, par rapport à la Ferté Saint-Thomas, t'en as eu Oscar Golf, c'est Paris.
Donc là on est sur celle-ci, on est légèrement en haut par rapport à la route. 12 en provenance de France avec la destination de l'Aigle, ce sera pour un service nav, venons de dépasser la queue, les Cévennes à 2500 et nage plus 22. Fox Oscar Golf 7006 au transpondeur. Transpondeur 7006 Fox Oscar Golf. Voilà, tous les petits étangs qu'on voit sur la carte. Je ne sais pas si vous avez reçu, mais j'ai visuel sur le trafic à ma gauche. On a des choses intéressantes, on a des espèces de manoirs aussi peut-être bien là. Il y en a ici ou là, tu regardes les petits radars. C'est l'info, Fox Hotel Papa, bonjour. Fox Golf Tango Delta Oscar Paris. Je vous écoute. Donc je vous ai dit quoi si vous m'écoutez? Bandit identifié radar. Merci de corrélationner, s'il vous plaît. Salut. Fox Hotel, Fox Papa Kilo Paris. Papa Kilo. 119.8. Si vous se mettez en urgence, là-bas c'est pas la peine. Là-bas c'est pas la peine non plus. De toute façon, on en dessous. Et après, c'est la forêt. Merci. Merci de bien nous tenir. Delta Oscar Paris. Fox Golf Tango Delta Oscar Paris. Oscar, je vous écoute. Il y a pas mal de petites choses isolées là. Il y a encore un manoir en dessous là. Ouais, tu vois. Et vous oubliez pas de clôturer, s'il vous plaît. On peut clôturer en vol, c'est la convenance. Vous pouvez le clôturer si c'est possible pour vous. Alors je clôture à 10h00 pour le Fox Golf Tango Delta Oscar. Merci beaucoup et j'ai le plaisir en vue. Paris Info du Fox Hotel Papa, bonjour. À vous. Hôtel Papa Paris. Le Fox Golf Alpha, c'est pas par dire 400, une personne à bord. La perte, c'est la deuxième de part, hein, je pense, retrait, oui. Pas de travers est de la ville de France, à 2500 PQNH. Donc là, on est sur quelque chose de cohérent en termes de timing. 70, 11, 70 unités de poids. 70 unités de poids au transpondeur, Fox Hotel Papa. Et pareil du Fox Alpha Hotel. Ah, Laurent, là-bas, à droite. Attention, hôtel simplement vent, je vais visuel de détendre, je vous propose de quitter la fréquence, passer 6000 au transpondeur. Il y a le petit platin qui est en dessous à droite là. Oui, ah, juste à droite, oui. Ok, donc là je déborde. Bonne fin de journée, au revoir. Ah, il y a tout bonjour pour le devant, pour 500 Tango, bravo. Qui appelle Paris? Devant pour 500 Tango, bravo. 500 Tango, bravo, bonjour. Bonjour monsieur, donc on vient d'être lâché, faute de 833 sur Beauvais, de Beauvais, provenance Valenciennes, destination sur la Rochelle. Aujourd'hui on a une visibilité qui est difficile. Et c'est bien de personnes à bord. C'est beau mais c'est difficile, oui. Quand on a volé à Champagne à la semaine, et moi bon, des nuages, mais la visibilité était magnifique. Parce que là on voit que c'est pas vrai quand même. C'est peut-être ce qu'on appelle la première version, là il me semble. Oui, c'est. Donc bon, voilà, c'est merdeux quoi. Donc, est-ce que je disais l'autre fois, un vol un jour où il n'y a pas de nuage, c'est pas une bonne idée. Oui. On n'en profite pas de la même manière. Hôtel Papa, Fox Golf Alpha, Hôtel Papa, identifié radar. Bien reçu, Hôtel Papa. Papa Kilo, Paris. Hôtel Kilo, c'est ça. Donc là, quand c'est tu regardes à gauche, c'est le Fox. Ça bouge, tu peux regarder là-bas. Ouais, c'est vrai. Donc si c'est la Ferté Saint-Aubin, on va aller sur le parc éclair pour commencer à voir. Ici la Ferté Saint-Aubin, voilà. Derrière, il y a la route, pas l'autoroute. Pas derrière. Allez, on va commencer à voir. Novembre 500, Tango, bravo. Vous avez une petite vidéo à droite. Tiens, il y a un petit château encore. Tango, bravo. Juste en dessous là. Ah oui, vu. Fox Hotel, Fox Papa Kilo Paris. Papa Kilo, vous êtes dans les zones de Beauvais pour moi. Donc là pour le coup on est à peu près de la ville je dirais. Ah tiens, il y a une ligne de chemin de fer. Je suis dans les zones de Beauvais. Ok. Affirme dans la donc zone. Donc là ça commence à confirmer que t'as une ligne de chemin de fer et t'as une route à côté. Donc là ça se voit très bien, Ferté Saint-Aubin, la route, la ligne de chemin de fer. Oui. Donc là les doutes s'ils sont pas à zéro, ils sont plus à zéro. On va le retourner parce que pour moi je suis pas du tout dans les zones de Beauvais. Hein. Ok, donc on est sur la bonne route. Aussi, je vous laisse passer avec il est 04. On est dehors de 10 minutes après. Ouais, on est à peu près à la moitié du secteur là. Même un peu plus, oui. Oui, moi je suis pas. Pour moi, je suis pas dans les zones de Beauvais. On va aller un peu plus vite que prévu là. Pour moi si, je suis désolé, donc c'est pour ça que je vous passe avec eux, 119.8 et 7000. Au revoir. Non, je vous
commencer à descendre. Je dirais qu'on attend 2 minutes, on commence à descendre. Là, on a 1500 pieds, on a 1500 pieds à perdre, donc 3 minutes. Ouais, 2 minutes max. Hein. Vous êtes dans les zones de Beauvais, les zones est de Beauvais, qui ont comme fréquence 119.8. Ok, donc il est 05, midi 5, on passe faire. Au revoir. Charlie Lima, bonjour. Pas que non, finalement, on va faire un truc. Je vais pas faire ça, mais je vais le faire. Et Paris Info, on maintient la vitesse de croisière et on descend. Donc on va aller arriver un peu plus vite. Oscar, Sierra, Echo, Romeo, avec un tableau, regarde. Ouais, quand on est à droite, là. La méthode juridique, on était plutôt à droite. Oscar, mais c'est pareil. Et que lui, il parle de Montargis. On peut pas y faire confiance, là. Ah si, on peut lui faire confiance à lui. Sirius Foxtrot 5 pour enregistrer la fréquence et passer avec Melun. 21 unités, qui veut passer sur Melun? Sirius Fox Alpha. Reçu Fox Alpha, au revoir. Paris Info de Fox, Golf Tango, Papa Victor pour quitter votre fréquence, j'arrive en but Étampes. Papa Victor, donc vous pouvez passer avec Étampes 7000, au revoir. Je passe avec Étampes 7000 au transpondeur, au revoir et merci. Québec uniforme. Uniforme pour quitter la fréquence et passer avec Clermont. Clermont 120 675. Au revoir. 120 675. Québec uniforme. Au revoir. Ouais. Paris information sur Blue. Bonjour. Blue Taille 891. Ok, Paris Info Blue Taille 891. On est à 2800 pieds avec la cheminée 2 Cap West. Ça correspond, ouais, par rapport au central. 77 et on est prêt à passer en IFR. Ouais. Alors, pour quel point, quel niveau? Standby One. Ah, j'ai quelque chose d'intéressant droit devant là-bas. On est prêt à protéger. Grosse structure et derrière il y a une ville. Oui, je vois. Donc, ville peut-être là, grosse structure, peut-être le fondant. Reçu, je vous rappelle. Et vous. Donc je descendais 300 pieds. Paris si je maintiens pas la pression, je vais vous faire passer par là. Regardez comment ça sent troisième. Kilo uniforme, bonjour. Kilo uniforme, bonjour. Ok, je pense avoir un visuel sur Chambord. Kilo uniforme vers 221 en provenance de Rouen et à destination de Saint-Cyr. Je passe le point écho de Rouen dans 30 secondes en montée à 2500 pieds. 70, 10 kilos uniforme. Donc après Chambord, quand on repartira en nave, je vais faire la tirette. 0, pour transférer du réservoir arrière kilo uniforme. Ah, central. 7, 0, unité 0, sur ce kilo uniforme. Paris Info, du hôtel Bravo Delta, ici à Kilo, avez-vous un code transpondeur? Si ça c'est pas Chambord, je sais pas ce que c'est. Alors, India Kilo, hôtel Delta India Kilo, je vous écoute. Hôtel Lexia Kilo, c'est un VFR de Dinard. On est à Saint-Laurent sur la droite, non? Oui, on l'aura plein à travers et qu'on sera vraiment proche de Chambord. Au niveau 7-5. Vous pouvez afficher 70. Alors pour le coup, j'ai peut-être révisé ma position, vu que je l'ai raconté tout à l'heure. Peut-être qu'on va rester pas loin de 2000 pieds et un petit peu éloigné. On va essayer d'ajuster par rapport à ce qu'on a fait précédemment. D'accord. Parce que c'est pareil, plus t'es bas, plus ça peut être bizarre. Avec l'inclinaison. Donc encore 700 pieds. Bon, je vais pas tout à fait. Oui, hélicoptère R44, Fox Hotel, non, Charlie Lima, donc je viens de croiser, de sortir de Fontainebleau, je vais être trop bas pour que vous puissiez me capter, donc un hélicoptère, trois personnes à bord, donc en provenance de Logne, avec le retour Logne par la TTR de Belin, actuellement à 1200 pieds QNH, en remontant vers le nord. 70-02. 70-02 au transpondeur, Charlie Lima. Donc, ouais. On vient de confirmer. Pour une simple et bonne raison, c'est que derrière Chambord, t'as une grande pièce d'eau. D'accord. On est pile dans l'axe de la pièce d'eau là. Donc, qui veut passer okay, avec Orléans. C'est d'avant, 95, 33, Yancy, la serve 55, on vient de passer le Fox Hôtel Romeo pour quitter, s'il vous plaît, en approche de Montargis. 3 Yankee, Brissy n'est pas actif. Hein. Très bien, on reste avec vous alors. Paris Info du Sirius Fox Alpha. Sirius Fox Alpha.
J'arrive à Belin en transit pour aller jusqu'au petit Belleville. Donc on a 1h05 de moteur. Alors, bon, Melun est un auto-info, vous pouvez les contacter sur 21 unités. Ok, ça marche. Bon, c'est comme ça. Ah, j'ai la ligne haute tension qui passe en dessous là. Ouais, que j'ai ici. D'accord. Limazulu. Bonjour monsieur, Fox Golf Delta, Limazulu, c'est à 28. On est à peu près 3 minutes de chambre. Donc là, j'ai commencé peut-être à ajuster la vitesse. 77 pour Limazulu. Paris de Fox Sierra Juliette, bonjour. Sierra Juliette, bonjour. Ouais, actuellement au niveau 45, demande pour passer au niveau 35, là, y a pas d'ambiguïté qui est carrément dans les nuages. Donc, Sierra Juliette, départ destination, ouais, et j'ai mal compris. Alors, nous venons de Pouilly et destination Arras. 70-03. Normalement. Il y en a encore un petit à gauche, là, de château. Ah oui. 7-0-0-3, Sierra Juliette. Ah, pour les trouver, ceux-là, hein, quand t'es au sol. 7-0-0-3, Sierra Juliette. Je peux passer au niveau 35. La pression, la dépression. Ah oui. Oui, quand vous serez identifié. Dès que tu dépasses les 500-600, oui, oui, c'est automatique. T'as les oreilles qui disent non. Rien fausse, Cascar. Sierra Eco Romeo, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, Tango Bravo, j'ai un trafic là. Voilà, on est 2000 pieds. 100 pieds bas. On a un vieux sur le tonnerre, donc je prends au-dessus, oui, à votre convenance. Ah, on va essayer de calculer ça, voilà. 1900, voilà. On va rester comme ça. Par l'info du sauf, ça fait ça. Bon, alors là, pour le coup, je vais chercher sur du 2000 tours. À votre convenance, la descente. Alors, donc, Blue Sky 9-2. Par l'info, Blue Sky 8-92, j'écoute. Paris contrôle 125-080 bouteilles. Contrôle qui n'est pas d'appareil en évolution éventuellement. Bon courage et très bonne journée. Merci aussi, au revoir. Ok, s'il vous plaît, retour Montardi. Paris, bonjour pour le Fox Hotel Papa Delta Fox. Pour du 24 degrés, oui. Fox Delta Fox, nous n'avons plus de code disponible. Fox Hotel Romeo, je rends un code disponible pour quitter, s'il vous plaît. Alors, Hôtel Romeo, vous pouvez quitter, au revoir. Paris Info de Fonseca Lima, pour quitter, passer avec Melun également pour libérer les codes. On est en évolution dans 1 minute. Au revoir. Paris Info, Oscar, Sierra Eco Romeo. Bien pris pour Fonseca Lima, merci, bonne tournée à vous, Fonseca Lima. C'est Charles Lima donc qui veut quitter. Oui, ça tient pour repasser avec Melun pour la traversée de la TPR. La décélération est un peu trop loin à tête. Pas rien, faut Oscar, Oscar. Sierra Eco Romeo, bonjour. Mais ça me permet Oscar, de bien calculer le... Sierra Eco Romeo, bonjour, je vous écoute. Alors, au départ de Namur, Eco Bravo November Mike. Ok, 3 de 1800 pieds, destination Lima Fox, Fox Zulu, Cézanne. On est à 2000 pieds et on transponde 2000. 99, ça me paraît bien comme évolution. 13. 70, 13. Paris Info pour le Fox Hotel Papa Delta. Donc là, tu vois, je vais prendre un petit 15 degrés. Ouais. Et on va voir ce que ça donne. Sécurité, Fox, je vois toujours Delta, Delta Fox, je vous écoute. Bonjour monsieur, Fox Hotel voilà, Papa Delta Fox VA 40, 3 personnes bien, à bord, provenance Lung et destination Fontainebleau et retour, on est actuellement à l'ouest de Fontainebleau et pour information vous avez trafic. 70-02. Pour 70-02, merci monsieur Delta Fox. Remarque, soleil tendu, on le voit bien là. Ouais, c'est est-ce que ça vaut la peine de faire un demi-tour? Bravo Papa Charlie Tango, bonjour. Bien sûr, vu qu'on a ralenti, vu qu'on le voit bien. Bravo Papa Charlie Tango, bonjour. Fox, Bravo Papa Charlie Tango, DR221, bon, alors on va quand même le faire pour l'exercice, parce qu'on est bien. Pour information. On est 1700 pieds, donc on est sécure par rapport à la 70-17 minimale. 70-17 transpondeur, Fox Charlie Tango. Donc je vais m'éloigner un peu. Donc tu vois, c'est pas ça tout à fait quand même, le calcul de trajectoire. Hein. Là, t'es à peu près, là. India Kilo. Ouais, mais on est au-dessus du minimum, pas du maximum. Et 1300, on est 1700 là. Seine, 134-875, au revoir. 134-875, c'est des diacritos, merci, au revoir. Novembre Lima. Novembre Lima, je vous écoute.
Fox Golf Novembre, Novembre Lima. Le Fox Golf Novembre, Novembre Lima vous écoute, Paris Info. N134-875, au revoir. 134-875 avec SEN, au revoir, merci pour l'info, au revoir, bonne journée. Donc 134, donc tu cliques dessus. 134-875. Alors, c'est Fox Golf Novembre, Bravo Delta, India Kilo, c'est un Mouneva, 4 personnes à bord. DFR de Dinard à destination de... Et où là, je ne vois plus, par sous la vie d'arrière en face. Actuellement utilisé au niveau 7.5. Donc là, si tu vois, pour le coup, on se met à 20 degrés, il s'agit de on le voit bien. Sierra Zulu, Québec. Bien reçu, India Kilo, transpondeur 3403. 3403, où c'est India Kilo. Et India Kilo, si vous voulez poursuivre à ce cap-là vers la Suisse, il va falloir descendre au niveau 65 pour éviter les zones de Paris. Nous allons descendre au niveau 65, hôtel India Kilo. Scène de novembre 95, représentant, bonjour. Alors, bonjour. Là on va prendre une route. Scène de novembre 95, représentant, un dessin de 110, au départ de 3 on a actuellement bon, ça sera au du 290, je pense. Voilà, bon, et là-bas, le prochain château est là-bas. 3404, transpondeur. 3404, représentant. Fox Kilo India, trafic VFR sans contact radio qui arrive dans vos... On enlève la région, on enlève la pompe, on remet 2500 tours et on part en croisière. Pour du 290, ok, visuel sur le château, il est là devant. Droit devant. Et dessus là. Bon, je reste 1900 pieds. Donc les RM suivantes, donc on va dire qu'on part, il est 17. Ouais. Pour la suivante, donc on prend 17 en heure de départ, donc on est arrivé en avance, le reste à cette altitude là, et derrière, alors château 2 on s'en fout un petit peu, moi je referai les calculs tout à l'heure. Normalement c'est cette chose qui est devant là. Je ne suis pas tout à fait sûr. Il y en a un autre là-bas, mais il me paraît un peu près de la ville. Normalement, on était au-dessus d'une ville, au-dessus de... Ouais, non, pour moi, c'est celui qui est là, là. 2000 pieds, on est bien. On a l'autoroute, ouais. Il y en a le méga échangeur là-bas. Il y en a un qui est en bas, là. Ouais, c'est celui-là que je veux. C'est l'information du Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Fox Novembre Lima, bonjour. Donc le Fox Golf Novembre, Novembre Lima, DR400, 3 personnes à bord, provenance Logne, destination Logne, libérée par Paris Info pour être sur votre fréquence. Nous sommes juste au nord de Blois, on vient de passer Chambord et on va remonter vers en gros Châteaudun, Brissy et Tempes. Reçu Novembre Lima, identifié, affiché 3405, votre commandant. C'est une Fox Charlie Mac, on est en vue de Charles pour vous citer. Charlie Mike, 7000 au transpondeur et quittez la fréquence. Bon, on le voit, il est là. Au revoir monsieur, merci, 7000 transpondeur. Novembre Lima, 3405 affiché. 3405 au transpondeur. 3405 affiché. On a un gros échangeur. Oui. Donc là je vais m'en servir et on va monter sur du RM020. Les rails. Et donc on a bien Blois à gauche. Le terrain il est quelque part en face là-bas. Ah oui. On a bien la ligne de tension. Donc là je vais déborder. Les îles blanches sont en dessous, on est 1800 pieds. Allez, on commence à virer. C'est une information du Fox Novembre Lima. Est-ce que les TMA Orléans sont actives?
C'est une information de novembre Lima. On ne reçoit plus personne. Voilà, ok. Donc on a débuté, il est 20, on répand le celui-ci. Donc Saint-Laurent est à droite, les trampolines. Scène information de Fox Novembre Lima. J'écoute Novembre Lima. Oui, donc scène information du Novembre Lima. Est-ce que les TMA d'Orléans sont actifs, s'il vous plaît? Affirme, elles le sont, mais c'est moi qui les gère maintenant, monsieur. C'est bien reçu, donc on reste en fréquence avec vous, monsieur. Ok, donc on est parti là pour... Alors... Bon, ben la bosse, hein. Novembre Lima, vous parliez des TMA de Tours ou d'Orléans? Répétez, Novembre Lima. Vous parliez des TMA de Tours ou d'Orléans? Orléans. Ah, autant pour moi. Donc les TMA d'Orléans sont toujours gérées par les militaires, mais elles ne sont pas actives. Donc vous restez avec moi. C'est reçu. Donc pas actives, on reste avec vous. Merci Fox, Novembre Lima. Bon, 031, c'est pas bon. 020. Ok, alors. Donc on va dire qu'on a commencé à 20. Qu'est-ce que j'avais dit comme vol alors finalement? 2500, bon on va y aller, on n'est pas loin. Voilà, on est sur le site. D'ailleurs, quand on a quelques degrés, je pense qu'on peut mettre un petit coup de pied, tu sais. Ça évite de... T'avais pas un petit message à passer, Nicolas? Non. Bah tu l'avais annoncé tout à l'heure, non? Parce qu'on va savoir. Non, mais toi. Par rapport au... Ouais. Ouais, Jean-Luc. Ouais. En fait, le vol, là, je vais le compenser carbone en faisant planter des arbres à hauteur de l'émission CO2. Ah d'accord. Ouais. Et je vais prendre en compte aussi le trajet depuis Toulouse. Ouais. Et le retour. Et le trajet voiture qu'on a fait avec Pascal. D'accord. Donc en fait, je vais compenser largement en faisant planter un nombre d'arbres qui correspondra en fait à notre émission carbone. Donc on aura fait un vol éco-responsable pour tout le trajet. Eh ben, t'es responsable pour nous, c'est bien. Voilà, ouais, je trouvais ça sympa à faire. Donc voilà. Original. Donc on pourra le noter. Même action. Et donc t'avais dit ça représentait quoi l'équivalent de 5 arbres? Ouais c'est ça. On sera même au-dessus, donc j'ai pris tous les paramètres au maximum. Comme ça on sera bien. D'accord. Et donc ça tu le fais à partir. Tu le fais comment? Alors, en fait je passe par une entreprise qui en fait qui gère tout ça, qui s'appelle ouais. Reforest Action. Et en fait, alors ils ont des simulateurs de calcul pour savoir combien de CO2 tu vas émettre. Alors je suis allé voir en fait sur un DR400 de base, combien ça émet de CO2, etc. En plus ça, le moteur est neuf, donc je serai largement au-dessus, puisqu'il sera bien réglé, il sera pas nickel. Pareil pour le train, et puis pour la voiture en fait, vu que j'ai pris sur les paramètres les plus contraignants au niveau émission. Comme ça je suis sûr d'avoir des valeurs maxi. D'accord. Et donc tu les subventionnes et ils plantent? Ouais c'est ça. D'accord. Ça. Et il y a une garantie de 30 ans, donc si les arbres plantés, il y a un problème dessus, ils les replantent et pendant 30 ans je suis sûr que... Ouais t'as un suivi quoi. C'est ça. Ouais. Okay. Et j'y
j'imagine qu'il y a plusieurs entreprises qui font ce genre de... Ouais, alors là je suis passé sur une entreprise vraiment qui était certifiée, contrôlée, etc. pour pas passer sur des entreprises un peu bizarres. J'ai pris des précautions quand même. Et après tu choisis ton lieu de plantation en fait, ce sont les projets. Tu peux planter en France ou à l'étranger. Donc là pour l'instant je plante en France, j'en ai planté 46 déjà. D'accord. Et j'ai compensé en fait un an de trajet voiture. Et une autre génération que nous. Après, ouais, je trouve que c'est pas mal. Ah mais c'est très bien. C'est une bonne action, ouais. C'est une info, Foxtrot, Hôtel Oscar Oscar Lima, bonjour. C'est bien, ils ont laissé parler. Bon, cette caméra elle m'énerve au dernier degré là. 3 personnes à bord en provenance des temps, pas de destination. On peut tout sûr faire quelques évolutions en retournant sur dessus. Oscar Lima 3406 au transpondeur identifié, QNH 1021. Et regarde, dès que tu lâches, hop là. QNH 1021, Foxtrot Oscar Lima, merci. Roger, hello, it's Ryanair 8 Delta November. Passing 4,000 feet, climb level 110 right, Ryanair 8 Delta November identified, direct Ballon, climb level 110, call you back for air. Okay, Ryanair 8 Delta November. Là, on remarque une chose, et qu'on a le soleil qui est plutôt derrière, ça devient plus intéressant. Oui. Fin de Charlie Fox, bonjour. Bonjour, cher. 7 novembre 533, Charlie Fox. On a un vent de travers de 8, là. Donc on est sur un secteur de base de 0,5, oui, une de croisière, en 15, en 0,52 en fait. Donc quand on veut compenser, on fait le facteur de base par la vitesse. Ça fait du 6 nœuds pour le coup. 3407, il fait 5,30, on va prendre 3 degrés. Donc si je veux maintenir une route au 0,20, on 17. Ouais, d'accord. Sachant qu'en fait, il y a un peu fluctuant aussi, donc voilà. Bon, ça c'est pour l'art de la navigation. En pratique. Ah tiens, ça commence à secouer un petit peu là. Ouais, vite le vent qui est fluctuant, toi il est repassé à 4 nœuds. Je sais pas, là il y a peut-être des trucs en bas, alors après c'est les champs qui commencent à dégager, donc tac tac, ils commencent à pomper. Alors, du point de vue de la nave, ce qu'on a, on est bas, depuis tout à l'heure on est sur du vin plus ou moins quelque chose. Là, tout à l'heure j'ai vu un pylône il me semble, mais je sais pas si c'était celui-là. Ben là on a les éoliennes juste devant, on a aussi. Les éoliennes, on a même plein de champs. Donc je pense qu'on doit être quelque part par là déjà. Après ce qu'il faut c'est chercher un repère à droite ou à gauche. Bon alors on a un petit patin là, je pense qu'on est par là. Contact, ouais. Les éoliennes, il y en a un petit patelin qui est là. Et la deuxième patelin on passe là. Mais bon on va savoir si c'est un jeu ou pas. À gauche c'est où sous le marché. Bon. Mais comment on n'a pas le nom sur la carte. Au niveau carburant, donc on est sur 2. Il dit qu'après Blois, on allait commencer à faire le transfert. Donc on a fait la moitié du truc, tu vois. Ouais. On est sur du 60 litres environ, on a dépensé 40 litres. On en a 50 derrière. On est bon, on va pouvoir déclencher le tir. Enfin le... Donc là, je pense qu'il va en avoir pour une petite demi-heure. Donc on va se mettre à piquer. Ah, donc on se fait secouer. Alors là, les éoliennes, c'est assez impressionnant, hein, il y en a une palanquée. Hein. Ouais, ah ben là, le problème, c'est qu'après, c'est de savoir lesquelles sont... Ah, ouais. On a un bon point de repère à droite, là. On a Orléans. Ben, oui. Bien, allez, juste pour le fun, là, on va regarder un petit peu. On fait... Ah, alors tu vois, par rapport à la trajectoire que je voulais, là, on passe au niveau de la CTR. On est 2400, on serait juste au-dessus. Ouais, tu vois, donc en fait, on est à droite. Du tracé que je voulais prendre. D'accord, oui. En fait, on devait être parallèle à celui-là, on est dans le couloir ici, là. Donc là, quand même, un truc comme ça, c'est royal au bar. Donc là, l'ayant préparé, je sais instantanément où je suis. Ça veut dire que j'ai peut-être viré un poil trop tôt, et je me trouve sur une route parallèle qui est peut-être à un demi-nautique sur la droite. D'accord. Allez, on le voit bien précis, là-bas. Et on le voit bien ici. Donc si on a la carte, avec René son axe, on peut contrôler notre trajectoire. Donc là, je vais plutôt du 10 degrés pour revenir sur le truc initial. Je dois atterrir dans le champ d'éoliennes, en fait. Impressionnant.
Donc là, pour le coup, à 2005, on est bien. Là, pour le coup, on est vraiment sur du... Là, c'est du vol VFR, c'est agréable. On peut admirer le paysage. On est bien. Et quelque part à gauche, ça y est, on le voit, on a Châteaudun là-bas. D'accord. Donc ce qui veut dire que techniquement parlant, on va être quelque part par ici là. On a les gros champs d'éoliennes qui sont devant nous, c'est ceux-là. Oui. Ah tiens, tout à l'heure on parlait du vent. C'est quoi le vent de... Amboise, tu voulais tout à l'heure. Non, pas d'Amboise, de Châteaudun. Châteaudun 115-95. Alors. 115-95. Ouais. Ok, on le transfère. Tac. Alors là on est en CDI, on bascule en vent. Le contrôle, on est 2005, on est toujours sur la route que je me suis fixée, c'est bien. Donc là-bas, on va viser la route, donc c'était le 054. Donc je passe en... Alors ça c'est une course. Voilà, voilà, tu vois, je le bascule en 054. Ouais, et donc, à un moment donné, on va le voir rentrer. Oui, il va se rapprocher, on va le voir rentrer. Voilà, bonjour, on va essayer de tirer 54 après le centre. Il nous amènera direct sur la tombe. Voilà, on fera une série de 3. Je me rappelle comment fonctionne le vent. Autant au début, je m'y intéressais beaucoup, autant depuis un an. Tout se sent ou il y en a plus haut? VFR, VFR. Reçu, vous me rappelez pour le dernier largage au niveau 100 Hôtel de l'eau. Alors, on a un patin à la droite. Celui-là. On a passé Brissy, oui. Le patelin est là. Oui. On a des éoliennes sur le patelin, il y en a notre champ devant nous. C'est ça. Ok, donc là on sait où on est. On est quelque part par ici. On a l'axe. Et on va observer notre vent. On est stable vitesse de croisière nominale, d'altitude nominale. Maîtrise, mais il n'y a pas de vent donc. Voilà, tout est dans le vert. Zéro. Les paramètres, on est dans le vert, voilà, aussi. Là, c'est bon. L'essence, la pression, tout va bien. Parfait. Hein, et on voit que ça a commencé à transférer. Ouais, d'accord, oui. Et là, je sens qu'on est en train de monter. Oui, d'accord, bah oui. C'est pas grand-chose, hein, Golf Uniform Miss Hotel Seine, bonjour. Bonjour, Miss Hotel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre la prochaine fréquence. Miss Hotel, un BR 400, deux personnes à bord, de Touffu le Noble à Lisieux. On va passer vraiment pas loin d'eux. Hôtel de identifié, 3410 au transpondeur. 3410 au transpondeur, c'est bien noté, Isra Hôtel. Et pour info, on va monter à 6500 pieds. Niveau 65 max dans la zone. 65 max, Isra Hôtel. Bon, je vois pas, ah, si ça, okay, je vois Brissy, ok, donc il est passé juste derrière nous. Et on voit quelque chose qui va en ligne droite, mais qui doit être la ligne de chemin de fer. Ouais, c'est ça. Ok, donc on est là, on arrive par ici. Imagine que dans pas longtemps, on va pas tarder à voir le vent bouger. Notre bled jaune, il est à droite, ça. Ah, on en a un autre ici, il me semble que je l'avais identifié sur la carte. Jean-Luc, tu peux me repasser la 250, s'il te plaît. Pour repasser avec toi. Merci. Fox Kilo India 7000 au transpondeur et contactez Blois Info 118 décimal 450, au revoir. 7000 transpondeur, je contacte Blois, merci beaucoup, au revoir, Kilo India. Bon, alors en fait là elle est trop tôt, je l'ai déjà. Moralité, tout à l'heure, on s'est pourri la nave parce que mauvaise prise de route initiale. J'ai mentalisé un truc et je me suis largué complet. Ouais. Donc bien parti trop à l'ouest, donc vraiment à l'ouest. Et ensuite, on a complètement perdu Montargis, donc là il nous a bien aidé. Oui. Mais même je m'attendais à l'avoir à droite, en fait on l'avait à gauche. Donc en fait on est resté complètement au sud. Oui. Donc la première partie de la nave, pas de point de départ, complètement massacré. Après, à partir du moment où on a pris Montargis, qu'on est allé vers Sully, là elle est mieux. Oui. Pas tout à fait sur la trajectoire que je voulais, on était un peu au nord. Mais après tu calcules, bon, de temps en temps, donner une info parce que quand tu regardes, tu le vois passer, même si tu le fais pas exprès, c'est comme ça. Bon ben, on se fait secouer par les éoliennes, dis donc. C'est ça, ouais. Ben, sans doute.
Alors, donc on dépasse nos éoliennes. Ah tiens, il y a un pylône là-bas. D'autres éoliennes là-bas. Donc là, on doit avoir la RE119 Bravo qui n'est pas active, sinon il ne l'aurait déjà dit depuis longtemps. Tiens, regarde d'ailleurs. Rien. La voilà, la R119, elle est là. Ah oui, oui, oui. Donc là, on la tangente. Donc, ce truc-là, c'est absolument génialissime. Ah oui. Bon, là, on a un petit pas de nappe. Donc, hein, si c'est une petite ville jaune, tu vois, mais toute petite. 8700 pieds, donc on la passe pas, on respecte, c'est bon. Ouais. Droit devant, on voit qu'on a le pylône aussi. Alors, c'est pas un pylône, c'est un machin là, 780 pieds. Maintenant, on sait ce que c'est celui-là. Ah, c'est celui-là, d'accord, oui, ok. Donc, ça veut dire qu'on... Alors, quand on sera sur celui-ci, on aura dépassé notre route, hein. Ah, regarde, il arrive. Ah ouais, vu. Donc là, maintenant, ça va devenir rapide. Donc, sécurité à droite, déjà, je regarde, il n'y a personne. Et je commence à prendre une légère tangente, tu vois, je vais chercher un 0,54... Ouais, t'anticipes ton virage, voilà. Finalement, ouais. Ouais, c'est ça. Derrière, on a qu'on a un autre champ d'éoliennes, là. Et donc, en gros, on s'aligne sur le champ d'éoliennes qui est là-bas. Ouais. Bon, finalement, j'avais trop serré la gueule à l'appareil. Hop, là, 0,33. Bon, là, j'y vais trop vite, mais on voit qu'on n'est pas loin. On est vraiment pas loin. Donc je vais attendre de me faire déborder un petit peu. Et dès qu'il sera quasiment rentré, on le prendra. On est 2500 pieds, c'est bien, voilà. 36. On est sur 1,5 de vol quasiment. 42, donc on le tangente vraiment. Je vais aller le chercher quand même. Et tu auras une ligne de chemin de fer en bas, normalement, qu'on va commencer à longer. D'accord. Longer, on va la croiser en fait. On va peut-être la couper, ouais. Voilà. Oui, oui, oui. R44, donc là on est en train de le tangenter, je pense qu'il a... Pas devant, pour plus haut, contacter Poitiers contre... Poitiers approche, pardon, 134 décimales unité, au revoir. Excusez-moi, vous pouvez me répéter la fréquence. Moi je vais chercher. Poitiers approche, 134 décimales unité. 4 unités, merci, bonne journée. Ah, regarde, là on le voit là. Ouais. T'as vu, là il arrive là. C'est gentil, mais il arrive. Ok, voilà. Un demi degré. Non, un degré. Degré, ouais. Donc là, je suis 20 degrés à droite. Non, 10 degrés à droite, 15 degrés, presque 20. Là, j'essaye vraiment d'aller le mettre dedans, quoi. On se fait chahuter un peu. Bon, les champs ici, c'est pas ce qui manque. Voilà, ça y est. Ok, il est là. Ouais. Allez, 4. 3, 2, 1, sécurité pour prendre nos 20 degrés. Je dis, hop là, non, on n'est pas encore tout à fait dedans en fait. Ah, c'est un truc de fou, ça y est, j'en y est. Voilà, j'en y est. Alors on a du 8 degrés de gauche, 7 de face. Donc 8 x 5, 5 x 8, 40. Je veux du 54, je cherche 50. Voilà, je suis sur du 50, je le maintiens. Donc on a du. Ah ben non, maintenant on a du 7 nœuds de face. On est 120, grande speed 120, bon donc on le sent pas tout à fait, ok, voilà. Là on considère qu'on est passé notre point tournant, elle est à 38. Même plus que ça, c'était même après le point tournant. On a 17 minutes, là on est à moins de 17 minutes, et qu'on est à 12 minutes. 40, ça fait 50 prévu. On sent la différence, hein. Oui, hein, c'est clair. Ah, ça devient intéressant, là. Ah, on n'est pas dans Flight Simulator, là. Ah, non. Ah, on se fait secuer, là. Ça secue, ça secue. Alors, on tourne une route. Voilà. Alors, je sais pas où on est sur la carte. Je suis déjà perdu. Donc, c'est la transition de carte, là, qu'il faut gérer. Donc je vais commencer ma descente vers 2000 pieds tranquillement. On est là. On est là. D'accord. Ok.
Moi, ce qui m'épate, c'est que je comprends, on n'a pas ça. On va couper l'autoroute normalement bientôt là. Ah, ça y est, là voilà. D'accord, donc moi je suis surpris de ne pas avoir vu leur route qu'on vient de passer là. Voilà, l'autoroute elle est là. Donc on a bien les éoliennes, la route. On est ici là. Ok. Et on est pile sur l'axe. Tu vois, hop là, je maintiens mes 5 degrés de... 7 de gauche, 7 de face. Bon, les 7 de face, ils sont virtuels parce qu'on les sent pas en grande speed. On est sur du 120. 2200 pieds, je descends gentiment. Alors, bien monsieur Jean-Luc, en te remerciant. Voilà, on est là. Scène info de Fox Juliette Sando, Pierre Victor, bonjour. Techniquement, il va nous lâcher dans pas longtemps. Hein, quoi que non, on a encore de la scène. Peut-être qu'il ne lâchera pas guère avant étampes. Bon ben non, tiens le vent, c'est parfait. T'as vu ? On a dit qu'à l'heure. Dedans. 2500 tours, on est en descente, on est sur du 125. Et ça correspond bien aux éoliennes qui sont devant, on passe un petit peu à droite, c'est d'accord. Ça. Ça correspond à la carte. Ok. Voilà, on est vertical autoroute. Donc c'est novembre minimum, nous arrivons en sortie médée, 7 kg transpondeur et Paris Info à nouveau disponible sur 126 décimales unités, au revoir. 126 unités pour Paris Info, merci pour l'information, au revoir, bonne journée monsieur. Charlie Tango 70-02. 70-02, transpondeur Charlie Tango. Alors, 2000 pieds en instabilité, j'ai perdu ma route ça. Toi, dès que tu fais quelque chose, si tu touches le manche, ouais. C'est bon. Donc en fait, le bon réflexe, c'est de lâcher le manche. Dès que tu fais un truc, tu touches pas le manche, sinon tu parasites ton volant. Yeah, Echo Fox, Fox Charlie, Yankee Formation, 10 minutes to the border of Belgium, request to leave frequency. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est 129.75, parce qu'on va y passer au-dessus. Alors là j'ai fait un truc, voilà. Tu vois, on a ça aussi. Tu connais ce mode d'affichage? Ah oui. Ok, 2000 pieds, on va peut-être regarder. Et peut-être à la vitesse des tempes devant là-bas. Oui. Pour information du Fox Novembre Lima, bonjour. Fox Novembre Lima, oui. Donc le Fox Golf Novembre Lima, DR400. Provenance Logne, retour sur Logne, à proximité environ à 5 minutes, même pas de 3 minutes de étampe LFOX. Passant en fréquence avec vous quelques instants. Fox Novembre Lima, transpondeur 70-20. 70-20, j'affiche. Bon, tu vois le terrain, il est devant là. Oui. Fox Novembre Lima, identifié là. Reçu, merci. Fox Charlie Tango identifié là. Donc, c'est le moment de récapituler. Donc on arrive, étampe, le terrain 3500 pieds. Un peu de symétrie. On est toujours sur la bonne route là. On passe bien à droite du terrain, on est content. Donc on va être bien parallèle à droite. Et on va arriver sur l'axe. Donc 3500 pieds. Le truc c'est pas ça, c'est étampe 2500 pieds. On parlait tout à l'heure, VFR max 2500. On est 2000, on est même 1900, donc on est bon. Par contre, dès qu'on aura passé les temples, on pensera à... Paris, bonjour, Fox, bravo, papa, Roméo, Roméo. Fox, bravo, papa, Roméo, Roméo, bonjour, je vous écoute. En mode fois de Saint-Chamond, on est en train de l'école, niveau 45 actuellement. Le type de Paris ? Un DR de Montaigne, DR221. Reçu, bravo papa, Roméo, Roméo, pas, hein. Transpondeur 70-14. Le sol est à 600. Alors, 60, on est à 1200 pieds sol. 70-14. Ah, oui. On a des terrains pour se poser, on va aller chercher loin. Régional, je vais être obligé de descendre à cause des nuages. Bon, on va éviter les éoliennes. Les bah, éoliennes quel est de quel terrain vous voulez jouer? Oh, 9h si vous avez par exemple. Oui, je vous donne ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que le 054 nous donne le passage sur la Ferté, oui, la Ferté. Nous donne bravo, oui. Nous donne novembre, oui. Et nous donne premier.
1029R, merci Romain de France. Alors, GDR 45, vers 4 métiers. Reçu, vous êtes en classe golf, évoluez à votre convenance, on assure votre séparation. Alors, si on veut écouter, ici. Voilà, donc là je suis en train de monitorer les temples. Fox Charlie Tango, Paris. Fox Charlie Tango. Charlie Tango avec Chevreuse 119.3, 7000 au transpondeur. Au revoir. Donc on voit qu'on a quasiment tout avec Chevreuse 119.3. Ah oui d'accord, on va venir monter à 3. Tout est dans le vert ici toujours. Mission à l'époque. Charlie Info, there's a Echo Fox Charlie Yankee Formation, bonjour. Le gyro il est bon aussi. Oui. Ok, on est minuit. Charlie Paris, bonjour. On voit bien le terrain des temples. Charlie Info, Delta Echo Foxtrot Charlie Yankee Formation, bonjour. Delta Echo Foxtrot Charlie Yankee Paris, good day. Le tour de piste Delta Echo Foxtrot Charlie Yankee Formation, 9 minutes close to the Belgian border, request to leave frequency. On est tour de piste, donc on est tranquille. Delta Echo Foxtrot Charlie Yankee, what is your squawk transponder? Is it 7001? Charlie Yankee, affirmative, 7001. Copy, Charlie Yankee, you can leave frequency, squawk 77, goodbye. Charlie Yankee, leaving frequency, squawk VFR, merci. Donc on voit bien la tour là. Oui. Donc je disais depuis le 1er juillet, d'après ce que disait l'IP, il n'y a plus de trafic tour, alors je sais plus si c'était une tour, si je crois que c'était une tour. Hein. À Étampes, la RMZ a disparu, donc là techniquement on devrait être dans la RMZ, bon on n'y est plus puisqu'elle n'existe plus. Et non c'était 2000 pieds. D'accord. Et pour passer avec cette information. Et voilà l'altitude de vol idéal. Vous êtes au sud de l'Auxerre, c'est ça? Alors, mon 054 qui est un peu à gauche, donc vous pouvez rester avec moi. Je vais rester là pour éviter les patins. La ville d'Étampes est là. Donc on a dit Étampes, 2500 pieds max. Paris, Scarcière Echo Romeo, Epernay. Dès qu'on a Etampes sur la gauche, je descends. Je vais quitter la fréquence, si vous voulez contacter directement. Au moment où je vous détecte au radar Echo Romeo, et bien vous pouvez quitter, au revoir, 7000 au transpondeur. Vous me rassurez, ça marche? Non, non, c'est la couverture qui était pas très bonne. Au revoir. Non. Paris Info de Fox India Victor, bonjour. India Victor, Paris Info, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est le Fox Papa XP via Victor 1 RV8, décollé de Dinard à destination de Nancy. On a 7000 transpondeurs, on est au niveau 65 et on vient d'être lâché par Bombay. Donc il y a les petites villes blanches, Papa XP, India Victor, transpondeur 70. Donc on est 1700, donc on est 1200 pieds au-dessus. Même si on ne le voit pas sur la carte, on est on va dire sur un minimum par rapport à des altitudes de deux villes toutes petites quoi. Ouais. Et on est loin des temples, donc on est tranquille. Ah bah si, il y en a une 1000 pieds là, voilà. Et on passe entre. Donc respect de l'altitude par rapport aux habitations évidemment. Voilà, donc la ville d'Étampes à gauche. Je vais me réaligner sur le 054 parce que je suis un petit peu à droite. Hein. Et on peut commencer à chercher le terrain suivant, donc il s'appelle La Ferté-Allée. Fox India Victor, identifié radar. India Victor. Tu veux faire un petit message au SIV pour demander à les quitter dans une minute? Allez. Non? Ok, alors tu fais pas le message, mais au mois d'octobre tu fais du VATSIM avec nous. Tu fais quoi? Ah. T'as toujours le dernier mot. C'est non négociable. On est 1500 pieds. Ah, t'inquiète pas Nicolas, tu dis oui oui. Non non. Oui mais j'ai des moyens de le contraindre. Alors, maintenant on va chercher La Ferté-Allée. Pour savoir une idée d'où il est. Voilà, on va reprendre 054. Donc on revient à La Ferté, pardon, le temple. Fox, bravo papa, Roméo Roméo Paris. Oui, j'écoute. Passez en 70-01 au transpondeur s'il vous plaît.
70-01. Ok, top. Une petite idée. Paris Info du Fox Novembre Lima. Pour vous quitter, passez en fréquence avec la Ferté, on fait une verticale. Sony, Fox Novembre Lima, 7000, à plus tard. 7000, au revoir, bonne fin de journée, merci. Également. Paris Info du Fox Golf Mike, X-ray Uniforme, bonjour. Donc on est passé transmis, transpondeur 7000. On a la fréquence de la Ferté affichée. Ouais. La Ferté c'est quelque part là-bas, donc voilà. C'est dans les arbres hein, de mémoire, hein, c'est ça Alors c'est un petit peu à gauche là, je dirais. Je vois le bâtiment de la Ferté aller. La Ferté aller, information du Fox Novembre Lima, bonjour. La Ferté aller, Fox Golf Novembre, Novembre Lima, DR400. On vient de passer étampe, on est 1500 pieds, on va passer quasi vertical terrain. Destination Bravo, on a une minute verticale, terrain en vue. Donc là, lui, on s'en fout. On pilote à vue. Tu vois la forêt, tu vois le grand bâtiment? Oui. Ben c'est le grand hangar. D'accord. Donc maintenant, on sait qu'on est sur la Ferté Allée, ou quasi la Ferté Allée d'ailleurs, voilà. Donc on est sur 1500 pieds, maximum, et nous veut passer sur la classe 1. Donc tu vois, histoire de descendre dès qu'on est passé à étampe et tout ça, t'as intérêt à le faire, parce que si t'as envie de causer, si t'as envie de machin, ouais. Ça va vite. Hein. On est 122 là. Tu vois le terrain, la piste en verbe, en herbe là? Juste à droite. Tu vois le grand hangar, sur sa gauche t'as le terrain, il est comme ça. Tu vois le grand hangar. À droite. T'as l'échange jaune. Dans la forêt. Dans la forêt derrière à droite. Ouais. Le grand hangar. 20 degrés à droite. Ah de oui, la... oui, oui, d'accord. Voilà. Et derrière la... le truc en herbe, bah, c'est la gazonnée. D'accord. Voilà. Donc c'est le fameux terrain de la Ferté. D'accord. Donc là on est 300 pieds, peut-être 400 pieds maximum au-dessus du tour de piste. Donc on est sécure, manifestement il n'y a personne, donc on est bien. Donc la trajectoire c'est d'arriver comme ça, là je fais en sorte de ne pas trop passer sur le patelin. Voilà. Bon, il doit avoir l'habitude. Hein. Donc ça c'est la Ferté Allée. Au nord on a une petite ville dont j'ai plus le nom en tête comme d'habitude, Itteville je crois. Voilà. Donc là on voit bien le terrain. La Ferté Allée des Fox Novembre Lima, nous sommes 15 secondes verticales. 1400 pieds. Et on voit des appareils. Donc là ça va être cool. On est quasiment à 2 heures de vol. On sera à 2 heures de vol au retour. Voilà. Donc on est dans les clous. Prévu. On voit les appareils. Tu les vois? Ah oui. La Ferté Allée, Fox Novembre Lima, on est vertical, 1500 pieds, on passe. Voilà, donc on a un bel avion, on a les petits cocos, les... Non, j'allais dire ici, il y a les Stearman qui sont là, j'ai l'impression. Avec les ailes jaunes. Ah, chouette. T'as vu, ils ont tout sorti là. Enfin, tout sorti, je sais pas, mais ils en ont sorti beaucoup. C'est cool ça. Ok, point suivant, novembre, pardon, bravo. À gauche là-bas, tu vois les machins rouges? Oui. Sécurité, personne devant depuis tout à l'heure. Personne à gauche. Ah ben c'est novembre. Bravo, décidément. Bravo. Je te dis pas bravo, hein. Hop, là, 1550, on va faire en sorte de pas trop rentrer dedans quand même. Hein. Voilà. Hop là. Et on va rechercher notre vent, je sais pas où il est d'ailleurs. Peut-être qu'on le capte plus. Hein. Bon, on est arrivé ici, on s'en fout un petit peu en vérité. La Ferté Allée, Fox Novembre Lima, on est passé un nautique au nord des installations, on passe avec Melun. Au revoir, bonne journée, bon vol à tous. 125, 0, 25. 1022. Sunset 19004 ETC, please inform Lynette. Bon,
on monitorait la fréquence de secondaire, donc forcément, on entend l'œil dès qu'on passe sur la fréquence secondaire. 1400 pieds, ça me plaît. Novembre est ici, donc on va pouvoir contacter Belin. Les antennes dites de Sainte-Assise. Oui. Antenne militaire. Belin, information du Fox Novembre Lima, rebonjour. Belin, information, le Fox Golf Novembre Lima, DR400. De retour du vol, on arrive par Bravo, on est à une minute de Bravo pour un transit, donc Bravo Novembre, on restera à 1500 pieds. Alpha, adieu la méchère en provenance, également Bravo Novembre, ici à 1000 de Novembre. Bon, je dis ça, mais en fait, on pense à descendre à 1200 pieds, parce que 1500 c'est ceux qui arrivent en sortie. Oui. En sortie de l'ogne, nous on rentre. Donc en gros, dès que je verrai Bravo, but. Donc, novembre, Ouais, bravo. Hey, t'as tout, là, mon pote. Bravo. Je veux pas le louper. Ouais. Génial. Donc là, maintenant, on sait qu'on va être sur l'axe 054, hein. D'ailleurs, c'est bizarre. Donc, en fait, c'est rien de bizarre. En fait, on l'a perdu. Oui. On est trop loin, trop bas. Tu peux me donner Colombier, s'il te plaît? Alors, il est où? Ça doit être 122, quelque chose. Ouais. Ah, j'écris dessus. Regardez sur la carte là. Mais je l'ai là peut-être. Et je l'ai pas là non plus. Ah, en fait, il est un petit peu plus loin. Et là, j'ai trop de soleil. Ah. Allez. Bon, il y a un oiseau. On est 200 pieds sol, 200 pieds oiseau. Voilà, il est pas passé loin lui. Voilà, information, Fox Novembre Lima, on entre dans la zone, on est vertical, Bravo, 1300 pieds. En fait, il n'a plus plus en-dessus. Alors ah, je vais voir là. Je vais essayer de mémoire. Ok. Il est 57. Ouais, j'ai un 112.9. Je pense que un c'est ça. 112.9, d'accord. Bon, alors, ici, voilà. Donc là, je suis un peu au sud de ce que je veux. On va tomber direct dans les... Sur Alpha, je passe novembre, 500 pieds avec une H1022, en route vers vous. Reçu pour l'appareil qui passe novembre, donc vous allez vers Bravo, c'est ça? Oui, qu'est-ce que je vais vers vous, Lima Papa Echo, Lima Fox Papa Echo. C'est reçu, merci. Donc là-bas, on a un point de 1000 pieds seul, c'est la prison. Ah, ok. Il y avait une évasion par hélicoptère il y a deux ans. Ah oui, c'est là. C'est là. Donc là, au niveau de la trajectoire, c'est pas compliqué, t'évites les patelins qui sont en dessous. Ouais. Alors soit tu passes à droite, mais ça fait aller trop près de Belin. Ouais. Soit tu passes plutôt ici, et là t'as deux alternatives. Soit tu prends les grands bâtiments, on va faire, on verra la prison. Soit on tire tout de suite à gauche là-bas, et on va chercher les autres bâtiments. Ah oui, ok. Voilà. Et là, Paris, la zone interdite de Paris, elle est pas loin derrière, elle est à 2 km. Celle que tu parlais hier alors. Ouais. Voilà, bon, on est 1200 pieds, donc bon, on va y rester. Ah oui, ok. Donc au niveau du transfert... Alpha, je la fréquence avec, je passe avec vous, bonne journée. C'est terminé. On repousse et on s'en occupe plus. Et le pilote suivant, bah, il aura un demi-plein tranquille. Les instruments, enfin les moteurs, tout est dans le vert.
Full, c'est bon. Ici aussi. Le gyro, il est bon. Donc là, je vais commencer. Donc ça, c'est moi, Sigma, moyenne de mémoire. Donc là, je vais déborder à nouveau pour rechercher mon 0,54 en me mettant un peu dans l'axe derrière là-bas. Non, je vais être trop bas par rapport à Melun, je dirais de mémoire. Bah d'ailleurs, tu vois, ça se voit là. Et à droite, c'est Melun. Et à droite, c'est... Donc là, on a le terrain de Melun, effectivement. On le voit bien, d'ailleurs, on coupe les axes là. 28 disques est fermé aujourd'hui, en ce moment. Voilà. Donc là, je suis sur du 40, c'est bien. Donc là, c'est la brique contre-vert, je crois que c'est là-bas. Ou là-bas. Non, ça doit être là-bas, à gauche. Voilà. Et maintenant, je vais reprendre un 0,54. Ah non, tu vois, regarde, il me dit que je suis un peu trop long. Bon, alors, je vais lui faire confiance, hein, pour une fois. Alors, regarde-toi, ici encore, t'as un petit château. Alors. Pour le coup, on passe à la deuxième autoroute. Melun, alors là, pour le coup, on est ici. Voilà, là, je vais me remettre sur un 0,50. 1400 pieds, je suis remonté. Alors maintenant, j'oublie la carte et je cherche novembre. Ah, visuel sur novembre. En fait, novembre, c'est pas compliqué. C'est une forêt avec des pylônes. Enfin, des... Ouais, 10 degrés haut, 110 degrés. Visibilité 10 km. Température 2-3. Québec Number Hotel, unité 0-2-2. Couché étoile 19h04 UTC. Merci d'informer Lonnie au premier contact. Vous avez reçu l'information Delta. Good day, this is the Lonnie information Delta. Utilisate 09R508 UTC. On est 08. Caution hose reel. Fuel pump number 3 is broken. Caution battery. Surface wind 040 degrees, 3 knots, variable between 310 degrees and 110 degrees. Visibility 10 km, temperature 23, Quebec number hotel 1022, sunset 19R04 UTC. Please inform Lynette, initial contact, received information Delta. Bonjour, ici Lynette, information Delta, enregistré à 9h50 UTC, piste en service 08. Attention, enrouleur pompe numéro 3 cassé, attention, risque aviaire, vent. 3 nœuds, variable du 310 degrés au 110 degrés. Visibilité 10 km, température 2-3. Melun du Fox Novembre Lima, nous sommes 1300 pieds, à 15 secondes de la verticale de novembre, nous allons passer en fréquence avec l'autre dans 20 secondes. Alors comme on a le temps, qu'on a des carburants et qu'on n'est pas à la minute près, au lieu de faire une approche directe vers le sud, ouais. Je vais m'éloigner, on va partir par écho, tranquille, peinard, circuit standard, d'accord. Celui que j'aime bien. D'accord. Eh bien. On est... De toute façon, je te suis, hein. Ouais, c'est vrai. Non, toi aussi, Jean-Luc. Je l'avais aussi, hein. Je sais pas, je vais y réfléchir. Bon, tu peux sauter, on est pas où, Jean-Luc, il y a plein d'arbres. Il est où, le parachute? Il n'y a pas. À cette hauteur, t'as besoin de parachute, yes, tu pas. Ah, bah oui. Voilà information, Fox Novembre Lima, nous sommes vertical novembre, nous sortons du secteur et nous passons avec Logne. Bonne fin de journée, bon vol à tous. On voit Disneyland là-bas. Ouais. Donc là, on écoute la fréquence, on est encore un peu loin des couilles. Normalement, on appelle 3 minutes d'écho, hein. Là on est un peu plus de 3 minutes d'écho. Vous êtes touché, piste 08, on dit 4 Québec. Donc on va rester 1200 pieds. Donc on a passé novembre à 13h04. Delta Québec Bravo, you can resume your own navigation. Maximum altitude 1500 feet, the number hotel in this area for the moment. Delta Québec Bravo, we're heading up to our course. And donc on est toujours dans le vert, on a du carburant, on ne peut savoir qu'en faire, hein. On est sur du 80 litres. Moi je pense qu'on va aller faire une petite nave locale secteur est là-bas. Ouais. À l'improviste. Ouais. Ah ouais, je pense.
Vu qu'on a été mauvais sur la navigation, enfin que j'ai été mauvais sur la navigation. Tu veux te rattraper? Faut que je me rattrape. Et que je vous fasse une démonstration de vol VFR. Bon, en tout cas, n'empêche, moi ce qui me plaît dans cette histoire, c'est de montrer que si tu pars pas sur une bonne base, et que dans ta tête tu fais pas le bon truc qu'il faut, t'avais pas le temps de prendre repère, t'as pas fait ce qu'il fallait, tu es parti, hop, perdu. Là tu peux vite te perdre. T'as vu, c'est compliqué. Oui. À vrai, hein. Oui. Là je sais pas comment t'as fait pour retrouver, t'as retrouvé grâce à quel repère? La carte. La carte? Ouais, bon. Là, j'avais quelques repères en fait. Ouais. Donc j'ai suivi au début beaucoup la carte. D'accord. Plutôt que de regarder tout le temps, et c'est comme ça que j'ai réussi à retrouver la petite ville là, où je te parlais, c'est un prison. D'accord. Du coup j'ai pas perdu de vue. Bon bah écoute, nickel. Ouais. Félicitations même. Bah, puisque t'étais dans le vrai. J'aurais pu me tromper. Ah oui. On a formé Trésini là, ouais. Et le terrain il est quelque part derrière à gauche, dans les arbres. D'accord. Voilà. Vous êtes pas très bon parce que moi je me suis jamais perdu. C'est Delta Tango, le New Tour, bonjour, New Piste 08 Dur, autorisé décollage, vent 0,5. Merci. Fox Delta Tango, je m'aligne 08 Dur, autorisé décollage. Fox Delta Tango. Ah regarde, TGV. Québec, Québec. Ah oui, à droite. Le retour du Fox Novembre Lima, rebonjour, de retour avec l'information Delta. Novembre Lima, le retour, rebonjour, transpondeur 3730, rappelez écho. 3730 affiché en rappel au écho, Fox Novembre Lima. Exercice 5 Québec, on reprend le public. Donc tu viens le message, le bonjour, l'information Delta, banque, et boum, tout de suite, il lui donne le transpondeur. Delta, Québec, bravo, traffic, 2 o'clock, 3 miles, right to left, 200 feet below, Robin. Donc là, normalement, on va pas se faire une autoroute, et de l'autoroute, on récupère écho. Donc c'est novembre Lima, trafic 10h, 2 nautiques, gauche, droite, 300 pieds haut, PA 28. C'est reçu pour l'information de trafic, non c'est pas un visuel, ça c'est Charles de Gaulle. Ok, on cherche, merci. Fox Oscar Sierra, Logne Tour, bonjour, New Piste 08 Dur, autorisé décollage, vent 0,5 Donc tu vois, lui il est dans le débat, Oscar Sierra, on s'aligne 08 Dur, et on est 1200 pieds, espacement. Delta Québec, bravo, the traffic is now 1 o'clock, 1 mile, right to left, 300 feet below. Delta Québec, bravo, traffic on site. Delta Quebec Bravo, Cook 7000, your flight plan has been activated. You can contact if you want press information 126.1, good day. Delta Quebec Bravo, thanks a lot for VFR contact Paris information and flight. Bonne tour, on avait le trafic en visuel, on est passé de 300 pieds dessous, on fait croiser derrière nous. C'est bien pris, non, bon, on y va. Et donc tu vois, instinctivement tu descends un petit peu. Mike Quebec numéro 1, rappelé final, 0, il te dure. Donc devant nous, je rappelle final 08 sur à droite là. Ouais. Donc là on arrive, on a Villeneuve le compte qui doit être juste à droite, ou pas loin derrière. Et on a l'autoroute. Ah non, Villeneuve le compte est là-bas. C'est l'église, enfin là c'est la village avec le toit pointu, l'église en toit pointu. L'autoroute elle est devant nous là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vise toujours tout droit. Ouais. Dès que je vois l'autoroute, je la suis à gauche, je vais en à Echo. Et Echo c'est le péage hein, de mémoire. Ou l'échangeur. Je remonte à 1200. Donc on est sur une 08, donc on va arriver tranquille. Pas besoin de réduire la vitesse. On entre dans la CT, dans la zone. Et on réduira, dès qu'on est entré, on peut passer sur, on cherche le 82 devant derrière. Voilà, 1200 pieds. 2450. Alors on a l'espèce de... Non, le truc qui ressemble à rien, il est où là? Ah bah merde, l'autoroute elle est là. Voilà. Voilà, virage 30 degrés, 1280 pieds stabilisé. Voilà. On n'oublie pas Echo. Il oublie facilement selon les cas.
selon le bazar que c'est dans ta tête. Fox Delta Tango, numéro 2 d'un Romain qui vire base dure, appelé final piste 08, gazonné. Fox Delta Tango, numéro 2 en 08. Écho, droit devant. 08 gazonné si possible, et je vire après le Cessna, le Robin, je ne sais plus. Parce que je n'ai pas encore en visuel. Alors le Robin est bien devant vous, donc c'était pour info, il est fin de base, mais lui pour la dure, et je vous ai bien numéroté pour la gazonnée. Delta Tango, rappelez final 08 gazonné. Je rappelle final 08 gazonné, Fox Delta Tango. Bon détour, Fox Novembre Lima, on arrive sur Echo. Novembre Lima, entrée, rappelez vent arrière 08. On entre en rappel, début de vent arrière 08, Fox Novembre Lima. Fox Oscar Sierra, transpondeur 7000 quitté, à plus tard. Ah si ? Oui. Bah alors. Bon alors, début de vent arrière, il est devant nous là. Ouais. Fox Oscar Sierra, transpondeur 7000 quitté, à plus tard. Oui. On voit les grands bâtiments en voie là. Transpondeur 7000, à plus tard. Donc en fait, on a l'axe de la base, enfin du traversier, pardon, de la 08. On voit super bien Paris. Mike, Québec, piste 08 dur, autorisé toucher vent nord, croix. Autorisé toucher, piste 08 dur, Fox Mike. 1h10, pardon. 1h15, on sera posé. Ok, allez. On cherche 1800 tours. Et on va ramener les 89. Bon détour, Fox Novembre Lima, début de vent arrière. Novembre Lima, numéro 2 derrière Robin, en base, rappelez final 08 dur. Numéro 2 sur la 08 dur, on rappelle en base, Fox Novembre Lima. Alors, 1800 tours, on le cabre un peu, je trime, parce que là, sinon, c'est moi qui trime. On est passé dans l'arc vert. Un cran de volée à gauche, je mets la pompe à droite. On est 1180, 80 nœuds, je remets 1800, on est affiché. Début de vent, enfin on est en vent derrière. Fox Delta Tango en finale 08 gazonné. Delta Tango piste 08 gazonné, autorisé toucher vent nord. L'autre aujourd'hui, c'est dire que ça. Autorisé toucher Fox Delta Tango. Sur du 100 pieds descente. J'aime pas la réchauffe, bon, alors j'ai mal réglé le truc, pourtant je suis 80, voilà, je suis stable, ok. J'ai pas de visuel sur l'autre devant. Donc on passe, maintenant quand je suis là, je cherche les temps qui arrivent derrière. Les temps qui m'amènent sur... Voilà, ben, j'ai même pas besoin des temps, aujourd'hui je vois déjà le... Comment on appelle ça? Le H. Ah, le damier. Damier, merci. Le numéro 1 est posé. Parfait, merci. Ok, donc on est stable, 82. Là, j'ai perdu quand même 40 pieds, j'étais à 1160. Donc là, je vais cibler du 900. Donc descendre et pas trop descendre. Ah bon, 1160. Après, une fois que tu es stable sur ton tour de piste, bon, évidemment, l'idéal c'est 1200, mais ouais. Quand tu as réussi à stabiliser, hop là, je suis en train de prendre un poil de vitesse. Attention pour le virage à gauche. La vitesse, on réduit. En tour. Pas du tour, sort en brillant, on passe en bas. Merci. Fox Norm, deux fois, le New Tour, bonjour. New Piste 08 dur, autorisé décollage, vent calme. Fox Norm, deux fois, bonjour. Autorisé, je m'aligne 08 dur et autorisé décollage à 08 dur, Fox Norm, deux fois. Ok, on le voit, il s'aligne là. On est 1000 pieds. ...960, on va se stabiliser maintenant. 80 nœuds, on est bon. On a la pompe, on a déjà un cran de volée. Fox Mike Québec en vente arrière pour un toucher piste 08 dur. Mike Québec numéro 2 derrière Robin, dernier virage rappelé final 08 dur. Numéro 2, je rappelle en finale, la piste 08 sur Fox Mike Québec. Ok, la piste libère.
deux crampes volées à gauche. Les corrections, ça serait Québec, ça serait pour la gazonnée. Ok, on est du tout. Québec, rappelé final 08 gazonnée. On rappelle final 08 gazonnée, Mac Québec. Pense. Bonne tour, force de rendre l'image final, point complet 08 2. Norme Lima, piste 08 dur, autorisé atterrissage, vent calme. Autorisé atterrissage 08 dur, force de rendre Lima. Ok, on a l'axe, on a le plan. 68 nœuds, c'est bien. On descend, on est à la bonne altitude. 66 nœuds. On fonce. 65 nœuds. Ah, là j'ai perdu de la vitesse, je sais pas trop pourquoi. Ok, bon on va pas chercher, tant pis. On va plus loin. Donc j'avais perdu l'axe, t'as vu? La vitesse qui a été Delta Tango en vent arrière, 08 gazonné. Fox Delta Tango numéro 2 derrière Robin, fin de vent arrière qui vire début de base, rappelé final 08 gazonné. Fox Delta Tango numéro 2 derrière le Robin, gérant visuel en fin de base. Rappelé final 08 gazonné, Delta Tango. Je rappelle final 08 gazonné, Fox Delta Tango. Fox, norme deux fois, transpondeur 7000, quittez à plus tard. 7000 au transpondeur, je quitte tout à l'heure en transpondeur deux fois. Ok, on a passé le point. Nantes, dans l'autre sens. On reconfigure l'appareil. Donc, on enlève la pompe, on rentre les volets. PFR 7000, 122.12, on transfère. On est sur le sol, confirmé. Le sol du Fox novembre Lima, 08 dur dégagé, demande roulage au parking, salut. Novembre Lima, roulé, quittez Fly, à plus tard. Je roule, je quitte à Sadi, Fox novembre Lima. Sadi, pardon, effectivement. Pas de problème, au revoir, merci, bonne journée. Le sol le Fox Delta Papa, bonjour. Delta Papa, le sol, bonjour. Bonjour, c'est le Fox Hotel, oh, voilà. Delta Papa, Indair 400, parking parier, 4 personnes à bord, on a l'information Delta, vol destiné, vol local secteur. Je sais pas quoi dans la toute partie, dans la deuxième, enfin dans la finale quoi. Fin de la finale. Delta Papa, transfondeur 3721, on voulait prendre un 30-0 en mesure. Stabilisé, mais apparemment non. 3721 au transfondeur, on roule pas dans les 08 et dur, on rappellera après, Fox Delta Papa. Il a fallu remettre de la puissance, que je restabilise. J'ai perdu l'axe aussi, bon, dans les 300 derniers mètres. Dès que j'ai posé 2 mètres à gauche de l'axe, bon, à droite, pardon. Dû à la correction, du coup, tu as peut-être un peu dévié après. Après, ouais, ouais. Je sais pas. Mais bon, enfin, c'est ça, c'est le jeu, quoi. C'est-à-dire que l'atterrissage, il est réussi une fois que tu as touché les roues, quoi. Oui. Même si tu es à 5 secondes, tu dis, ok, ça va être bon et tout ça. Ouais, mais non. Bon, ça va, pas trop effrayé? Du tout. Du tout. Même quand on s'est perdu, tu t'es pas dit ça, et oh bah ouais. Tu m'as vu effrayé? Non. Non, pas alors. Bah j'ai rien fait pour le faire non plus. Hein. Bah, c'est pas mon genre hein, de faire le feu aux passagers quand même. Demande à Jean-Luc s'il a déjà eu peur dans sa vie avec moi. Jamais. Il a l'air d'être zen en tout cas. Ouais, totalement. Imperturbable. Perturbable, c'est peut-être exagéré, mais... Mais en tout cas en confiance. Alors on va faire un truc à deux balles, juste pour faciliter la vie du Yadis. On va saluer en direct. De toute façon on le laisse dehors. On va le laisser dehors, mais ce que je vais faire c'est que je vais me garer à droite là. Et après on va le pousser, comme ça il sera prêt au départ. Ah oui. Ouais, tout simplement. Hop là, on freine bien, on remet 1200 tours. Voilà. Les pieds sur les freins, frein de parc. Et on va faire un truc qui s'appelle la checklist, qui doit être quelque part derrière peut-être, non? Merci monsieur. Arrêt moteur, donc on a les freins de parc, on a fréquencé la radio, c'est bon. On va couper, on se dit tous au revoir, à très vite, pour de nouvelles aventures.
23h30. Voilà. Et il est 13h20. Je coupe les magnétos, je coupe matin l'alternateur. Alors pour la petite histoire, merde. Voilà. On est sur du 3. D'accord ? Ouais. À peine 3. Donc on avait, donc on a 80 litres. On a quasiment, quasiment 2 heures devant nous. Ce qui était un petit peu le but recherché, d'être totale sécurité de ce point de vue-là. Ouais. 2h13 au compteur, donc on n'a pas mangé. Ah ben oui, c'est vrai. Alors, ben, alors, pour le coup, la caméra fonctionne là ? Oui. Très bien. Donc là, je vais faire la synchro que j'ai pas pu faire au début. D'accord. Ce qui fait que là, en fait, sur l'audio, je verrai ces trucs-là et je vais tout caler par rapport au début, mais surtout par rapport à la fin. Oui. Et là, je fais au quart de poil de millimètre. Eh bien, on dit au revoir à la caméra. Ah. Ciao. Salut. Salut. Si, il s'arrêtait. Alors, le truc qui n'était pas tout à fait serré, il s'est desserré. Ah mince. Les vibrations, bah, c'est oui. Des choses qui... qui se font. Ça risquait pas de tomber. Et maintenant, on respire. Il faut que tu respires. Oh non, d'une pile. Bon, alors cette caméra, j'ai fait un truc au début. C'était pas une bonne idée du tout. Donc pendant la moitié du vol, elle va être pourrie. Mais pourtant, c'est comme ça que tu la mettais, comme tu dis. Ouais, non, mais il y a un truc que j'ai fait, c'est que j'ai mal stabilisé le bazar. À un moment donné, je pensais que ça allait pas être bon, donc je l'ai trop serré. Peut-être mettre le pied plus bas. Ouais, ouais, ouais. Là pour le coup, ouais, effectivement. Et c'est peut-être le pied qui fait torsion. Ouais, ouais. Et puis j'avais mis j'avais enroulé 2-3 fois pour la remonter parce que je pensais que ça allait pas. Et en fin de compte, c'est ça qui fait que ça l'a complètement tordu. Donc bon. Eh ben, ça vous le verrez pas au montage. Oui, le rire débile, je sais. Ça fait partie. On répétera pas. Non, mais ils vont tous l'entendre. Hein. Ils connaissent déjà. Tout non, 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 oui. Je le fais pas souvent. Je le fais jamais, mon rire débile. Jamais. Non, jamais. Non, jamais. Je le refais. Et il le fait bien en plus. Il est assez naturel. C'est Woody Woodpecker. C'est raté. Alors. En fait, il est très naturel. Trop, trop naturel. Oui, alors on l'a pas dit au début, mais c'est Nicolas qui vient de Toulouse exprès pour voler. Oui. N'est-ce pas ? Tout à fait. Tu vois, après, donc en fait, c'est pareil, il y a un autre truc aussi. J'ai essayé de faire gaffe à ça ce matin. C'est que vu l'incident qu'il y a eu avec les pompiers qui sont venus par l'aéroclub d'à côté et tout, à un moment donné, tu pars sur un autre truc et il a fallu ranger, sortir les avions, on partait hors du timing, etc., etc. Donc à un moment donné, c'était de me dire, ok, ça y est, c'est bon, il faut ramener le truc à un niveau normal, comme si c'était rien passé. Oui. Quoi. Même si on avait, en gros, une bonne demi-heure dans la face, quoi, ouais. Avec l'exode décalage, voire 40 minutes. Oui, au moins. Oui. Mais donc, alors, après, la difficulté, finalement, elle est là. C'est de se dire, ok, ça y est, c'est bon, on y va. Mais ça n'a pas empêché que, par exemple, tu vois, pour le coup, quand on était à l'avitaillement, les caméras, je les ai lancées après. Oui. Et j'ai pensé à tout lancer après. Tiens, d'ailleurs, puisque j'ai encore la synchro ici, il faut pas grand chose pour pourrir les trucs, c'est à dire qu'en fait il faut vraiment les faire dans l'ordre. Il y a un moment où il faut, donc là je vais synchroniser pour l'arrêt, même si synchroniser l'audio à la fin c'est pas top, hein. Donc j'arrête 3, 2, 1, top, voilà, parce qu'en fin de compte tu te rends compte, tu peux avoir 2 secondes de décalage, ouais, enfin sur les framing, calé, ouais. Je sais pas quoi, enfin bon, ça se joue à pas grand chose, mais c'est comme ça, ouais. Donc bon, après, si je parlais, peut-être comme j'avais pas le masque parfois, peut-être qu'on me verra parler, ou je sais pas. C'est voilà. Et donc en fait, tu vois, j'ai mis le moteur en route avant d'avoir lancé les caméras. Alors que j'aurais dû faire l'inverse. Ouais. Donc, parce que là, en fait, j'étais encore un poil speed finalement dans la chronologie. J'étais sur la priorité de décoller. Oui, oui, oui. Et j'en ai carrément oublié les caméras. Faut le faire quand même. Ouais, mais comme quoi, tu vois, t'as un élément perturbateur qui va venir dans ton organisation. C'est ça. C'est direct, c'est royal. C'est ça. C'est du facteur humain. Hein. C'est ça. C'est complètement ça. Donc voilà. Et donc je vais regarder ma tronche et j'éteins la caméra. Au revoir.